talenté. Le Bénin ne sait pas qu'il est joufflu de talent, qu'il est pétri de talent. Et justement, cette occasion me permet de dire à la jeunesse béninoise et surtout aux slameurs béninois de se prendre au sérieux. En réalité, nous avons quelque chose que la sous-région n'a pas en réalité. Et c'est plus le travail et l'impact, l'activisme autour de ça qui va nous permettre de rayonner dans le monde. Ça, si! Ça, si! Mais Alors, est-ce que vous avez un appel à lancer? Si j'ai un appel à lancer, c'est à l'endroit d'abord de la population, leur faire comprendre que nous devons consommer ce que nous avons ici. On va le dire autant qu'on le peut, mais il le faut. Ce n'est pas de votre faute si vous ne comprenez pas que vous avez plus de richesses ici qu'ailleurs. Ce n'est pas de votre faute. C'est l'histoire de la religion, c'est le choc avec le blanc qu'on a rencontré, tout ça. Mais on n'a pas le droit de nous défaire de cette situation. Mais il nous faut consommer ce qu'on a. Et aux acteurs politiques ou les personnes à des instances de décision, accompagner les artistes. Parce que quand on aura tout perdu, c'est les seules personnes qui pourront remettre la population sur le droit chemin. Gopal Das, merci pour cet échange. Et Pas voilà, de plus mesdames, de messieurs, richesse c'est ici sur qu'ailleurs. les Ce mots n'est de pas Gopal Das C'est que je mets l'histoire de la terme à cet religion, entretien, c'est que le je vous choc avec remercie d'avoir suivi. le blanc À qu'on a très vite. rencontré, tout ça, mais on n'a pas le droit de nous défaire de cette situation. Mais... Voici enfin le vrai visage des informations d'un continent africain qui bouge. L'Afrique, continent de l'avenir. Les grands investisseurs vous diront qu'investir en Afrique, c'est investir pour un avenir radieux. SICA, c'est la nouvelle chaîne de télévision exclusivement consacrée à l'actualité socio-économique, toutes les 30 minutes en Afrique. SICA, c'est la chaîne des grands investisseurs, de l'actualité des investissements et de l'évolution des affaires sur le continent. Seul choix, la seule chaîne pour rester connecté à l'Afrique qui bouge. SICA, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Restez informés à chaque instant sur SICA. Bonjour et bienvenue à cet entretien du jour. Nous sommes avec M. Gustave Kam,
président de la Chambre africaine extraordinaire d'assises, la juridiction panafricaine qui a jugé l'ex-président du Tchad, Hissène Habré, à Dakar, au Sénégal. Avec lui, nous revenons sur le déroulement de ces procès, premier du genre sur le continent. Monsieur Kam, parlez-nous un peu de ces feuilletons judiciaires. Bon, disons que c'est vrai que j'ai eu à présider cette cour, cette chambre. Mais avant cela, j'ai eu une expérience de très longue date depuis les juridictions nationales, également en passant par le tribunal pénal international pour le Rwanda, où j'ai fait effectivement 8 ans, ce qui m'a permis de pouvoir relever le défi au niveau donc, de la Chambre. Je pense que c'est en réalité ça qui m'a permis d'avoir quelques armes pour pouvoir faire face à certaines difficultés qui se posaient au niveau des procès. Quels ont été les moments cruciaux, pour ne pas dire déterminants, selon vous, dans ces procès ? Disons que tous les moments depuis le départ ont été cruciaux parce que depuis l'interrogatoire de première comparution, c'est-à-dire l'interrogatoire d'identité, où M. Hissène Habré avait refusé de parler, et ça, c'était déjà un moment crucial et cela présageait la suite donc du procès. Je pense que tous les moments, à tous les instants, ont été cruciaux et il fallait chaque fois essayer de voir, conformément à la loi, quelles dispositions fallait-il prendre au niveau de la Chambre pour pouvoir continuer le procès. Est-ce que vous ne vous êtes pas à des moments dit que le monde entier a les yeux braqués sur l'Afrique et vous vous posez la question si vous êtes en train de bien agir? Non, je crois que lorsqu'on a une certaine expérience, on sait comment mener son procès et on essaie à tout moment de se conformer à ce que dit la loi. Donc, que l'on soit en juridiction nationale, que l'on soit en juridiction africaine ou internationale, il suffit de se référer à sa loi et je pense qu'on n'a pas besoin de prendre en compte qu'il s'agisse du plan national, du plan international. C'est le dossier qui guide en fait le magistrat. Monsieur Habré a lancé tout au long du procès des invectives. Est-ce que cela vous a personnellement affecté? Non, pas du tout. Je pense que c'est quelque part aussi, j'allais dire, leur droit et qu'ils essaient, en tout cas par tous les moyens, de mettre en œuvre. Et je pense que c'était tout à fait normal. C'est vrai que quelquefois c'était à marge du droit, mais bon, quelque part aussi, ils essaient de se faire valoir. Plusieurs personnes estiment que la condamnation à perpétuité a été sévère. Quel commentaire faites-vous par rapport à cela? La sévérité, vous savez, c'est une appréciation de tout à chacun. Elle est, j'allais dire, relative. Vous voyez, pour la détermination de la peine, on ne le fait pas ex nihilo. On tient compte de certains paramètres. Et voyez-vous, comme je le disais tantôt, j'ai siégé au niveau du tribunal pénal international pour le Rwanda, où même les ministres ont eu des perpétuités. Et tout récemment, vous avez vu que des gens ont été condamnés pour le génocide à perpétuité au niveau de la France. Donc comment voulez-vous imaginer qu'au regard des crimes graves qui sont reprochés, qu'on en fasse autrement? C'est cela. On tient compte des paramètres du dossier pour pouvoir déterminer les peines. On ne le prend pas de manière unilatérale, on le fait en fonction des éléments qui sont contenus dans le dossier et de la gravité des faits qui sont reprochés à l'accusé. Beaucoup de personnes demandaient à ce que d'autres personnes comparaissent. Pourquoi en aucun moment ces personnes au Tchad n'ont pas comparu? La Chambre est saisie. Ça signifie quoi? La Chambre ne va pas à la recherche des accusés. Les accusés sont cités et la Chambre se contente de juger les accusés qu'on lui présente. Et peut-être la question se serait posée depuis le départ au niveau du procureur
pour que la question soit résolue. Mais nous, au niveau de la Chambre, on a les dispositions qui sont là et qui sont consacrées. Et c'est au regard de ces dispositions et au regard des personnes qui ont été renvoyées par la Chambre d'accusation devant cette Chambre que nous sommes obligés de juger. On ne peut pas aller au-delà de ce que la Chambre d'accusation nous a donné comme accusé. Sur quelle base vous avez retenu les trois avocats commis d'office pour défendre M. Hissène Habré? Ah non, mais en fait, le profil, ce n'est pas nous qui avons défini en réalité. Nous collaborons avec le barreau. Et le barreau nous donne un certain nombre, effectivement, d'avocats. Et sur la base donc, de l'expérience de tous ces de ceux qui nous ont été désignés, que la Chambre essaie de voir par rapport donc, au dossier quels sont ceux qui sont les plus aptes à pouvoir effectivement les défendre. Le camp de Hissène Habré n'a pas reconnu votre cour tout au long du procès. Quelle est votre réaction par rapport à cela? Non, mais je crois que M. Habré, c'est tout à fait normal et c'est tout à fait logique. On s'attendait à de telles réactions. Mais nous pensons que nous avons fait bonne œuvre. Après avoir condamné à perpétuité l'ex-président tchadien Hissène Habré, est-ce que vous arriviez à dormir tranquillement? Est-ce qui inflige la peine de mort? C'est cela aussi. Nous, comme je dis, la peine que nous avons infligé, c'est en considération des faits et nous pensons que nous avons agi conformément à la loi. Donc il n'y a pas de raison à avoir quelques difficultés à dormir. Pensez-vous que ce procès a été une réussite et que le continent dispose maintenant de son procès référence? Mais il ne m'appartient pas, moi, d'apprécier quelle a été ma conduite, mais je laisse plutôt le monde entier apprécier comment la Cour a fonctionné, les règles de la Cour et également les résultats auxquels cette Chambre a abouti. Donc je pense que je ne peux pas avoir d'autosatisfaction. Je laisse peut-être le monde apprécier. Personnellement, de votre côté, pensez-vous que le travail a été facile? Non, en fait, je crois qu'on ne doit pas poser le problème en ces termes parce que nous avions une mission, nous avions des textes qu'il fallait appliquer et nous avons essayé d'appliquer ces textes sans autre difficulté particulière. C'est vrai que ce n'est pas, pour rendre la justice, ce n'est pas toujours facile, mais en faisant effectivement application des textes de loi et en plus étant assisté, nous pensons que la tâche a été comme les autres dossiers. Est-ce que ce procès a été une expérience de plus pour vous qui va vous permettre de postuler pour d'autres postes au niveau international? Absolument, c'est une expérience de plus parce que là, il s'agissait d'une juridiction hybride. Et les juridictions dans lesquelles j'ai eu à siéger, c'était des juridictions soit internationaux qui n'étaient pas du tout hybrides ou bien des juridictions nationales. Mais cette fois-ci, il s'agit d'une autre expérience et puis en plus dans un certain contexte. Et donc, c'est une autre expérience qui peut effectivement me permettre de convoler pour d'autres dossiers. Globalement, qu'est-ce que vous avez à dire sur la tenue de ces procès qui a tenu le monde entier et l'Afrique en haleine des mois durant? Ah mais je dis donc que c'est une expérience d'abord personnelle et également une expérience africaine. Je pense qu'elle pourra dans l'avenir servir pour toutes les générations à venir et également pour le monde académique qui pourra critiquer et on pourra en tirer des leçons pour éventuellement améliorer soit la création de juridictions internationales ou au niveau même national. Les chambres africaines extraordinaires siégeaient dans les palais de la justice de Dakar. Est-ce que les juridictions sénégalaises vous ont facilité la tâche dans le déroulement de ces procès? Disons qu'en réalité, nous étions logés à la cour d'appel. Et parce que les chambres d'assises sont logées au niveau de la cour d'appel. Mais en réalité, on n'avait pas de contact, il n'y a pas un lien ombilical entre cette chambre et
et le fonctionnement ordinaire des chambres. Donc, en réalité, on n'avait pas besoin d'une action spéciale au niveau de ces juridictions nationales. C'est la fin de cet entretien. Nous étions avec M. Gustave Kam, président de la Chambre africaine extraordinaire d'assises, qui a jugé l'ex-président du Tchad, Hissène Habré. Merci, au revoir. En revanche, c'est vrai que la différence entre, je dirais, la Russie, ce que j'ai découvert, c'est que, en fait, chaque artiste est, en général, suivi par un pédagogue. Et suivi, ils sont très accompagnés, beaucoup plus que en France, dans notre tradition, où c'est l'émergence à travers le corps de ballet qui fait que, d'un seul coup, le travail, on repère quelqu'un et ensuite on lui donne la possibilité. La danse, c'est une écriture, c'est comme la calligraphie. On peut sans cesse la travailler, l'affiner, la développer, la rendre plus majestueuse. Il y a toujours de ce côté-là des choses qu'on peut faire. Donc on ne cesse jamais de pouvoir perfectionner quelque chose. Le danseur est au service de quelque chose qui est plus grand que lui-même. Et c'est ce qui fait la beauté de notre quête, quoi. C'est-à-dire qu'on est au service de quelque chose, c'est l'art, quoi. Donc en tant qu'humain, on essaie de tendre vers ça. C'est cet élan qui est magnifique. C'est ça qu'il faut travailler. Et tant que vous avez une dynamique, un élan et quelque chose, à ce moment-là, je pense que tout fonctionne. Loin des fashion weeks européennes, ces mannequins défilent dans le nord de la Syrie. Elles veulent mettre en avant les vêtements traditionnels kurdes. Une mode totalement interdite et réprimée par le régime avant le début du conflit en 2011. Mais la culture kurde syrienne reprend peu à peu ses droits depuis que cette zone frontalière avec la Turquie s'est déclarée autonome.
Avant la révolution, on ne pouvait même pas dire que nous étions kurdes. Mais aujourd'hui, nous parlons notre langue, nous étudions dans nos écoles. Et comme vous le voyez, je porte des vêtements traditionnels kurdes, je parle kurde dans nos rues, dans notre ville. Après le défilé, c'est dans la rue que ses habitants paradent. Impossible il y a quelques années. Mais avec la guerre, le régime syrien a retiré la plupart de ses forces militaires de cette région. Et les Kurdes, qui représentent environ 10% de la population, travaillent à faire revivre leur culture, autrefois souterraine. Comme Sami Moussa, qui travaille dans le quartier des tailleurs de la grande ville de Kamishli. Les prix varient. Par exemple, réaliser cette pièce de tissu coûte environ 15 euros. Mais celle-ci coûte 30 euros à fabriquer parce qu'elle est difficile à coudre, étant donné qu'elle est couverte de perles. Un habit traditionnel kurde cousu main peut coûter de 70 à 150 euros. Et aujourd'hui, les tailleurs de Kamishli doivent répondre à une demande grandissante, en particulier avec les célébrations de Nowruz le 21 mars. Mais le célèbre festival du printemps n'est plus la seule occasion de revêtir ses plus beaux atours. Ces vêtements ne sont pas seulement pour Nowruz. Les jeunes filles portent des costumes traditionnels lors de tous les mariages. Et il y a quelques jours, j'ai réalisé un costume kurde pour une jeune fiancée qui va le porter à son propre mariage. Aujourd'hui, ces tailleurs produisent parfois 10 fois plus de costumes qu'avant la guerre. Et Raïd assure même exporter ses créations jusqu'en Europe. Une seule arme, sa voix. À 18 ans, Zoula la chante pour se faire une place dans un monde d'hommes. Un véritable exploit, d'autant que la jeune femme est originaire de la province conservatrice de Nangarhar, bastion de l'État islamique et des talibans en Afghanistan. Au départ, quand j'ai participé à l'émission, j'avais peur. Mais après, quand j'ai vu le soutien du public, j'ai oublié ma peur et je me suis dit que je pouvais le faire. Parmi les membres du jury, Ariana Saïd, une star de la pop afghane. À travers ses chansons, elle défend les droits de ses concitoyennes régulièrement victimes de violences. Alors évidemment, elle ne cache pas son soutien à Zoulala. Le fait que Zoulala soit arrivée jusqu'en finale, ça montre que les gens commencent à s'ouvrir à l'idée que les femmes chantent. Ça veut dire qu'ils acceptent les chanteuses. Et c'est incroyable. Je suis vraiment heureuse. En 2005, 4 ans seulement après la chute du régime taliban, la chaîne de télévision Tolo TV fait le pari audacieux de lancer Afghan Star. Malgré les critiques des chefs religieux, l'émission se tient devant des centaines d'invités. Mais en 2016, Tolo perd 7 de ses employés dans un attentat des talibans. Depuis, l'émission est enregistrée sous protection armée avec un public limité. Chez Tolo TV, on essaye en permanence d'aider les gens à se développer, à faire entendre leur voix et aussi les divertir. Parce que nous sommes la seule source de divertissement dans ce pays. Cette année, plus d'une vingtaine de femmes ont tenté leur chance contre seulement une ou deux quand l'émission a été lancée. Sous les projecteurs, le changement est en marche et Zoulala en est le visage et la voix. Wow.
Comment faire revivre les traditions ancestrales? Le festival Mambo qui se tient à Bangui est une réponse aux préoccupations des initiateurs de ce projet culturel. Le fait que je vois qu'on est en train de perdre nos traditions et nos valeurs traditionnelles, voilà pourquoi ça me venait à l'idée d'organiser ce festival. Et l'objectif recherché, c'est de promouvoir le droit et la liberté de la jeune fille à travers les pas de la danse traditionnelle. Cette manifestation suscite un réel engouement auprès des jeunes qui n'ont pas souvent l'occasion d'apprécier les danses traditionnelles. Nous avons 5 critères qui nous permettent d'apprécier le travail de ces groupes-là. Il y a la chorégraphie. Comment est-ce que la chorégraphie est libellée? Et il y a le chant. Hein, le chant. Et il y a la tenue du groupe et la synchronisation entre la chorégraphie et le chant et comment tout le spectacle est agencé. Dans un contexte de mondialisation, chaque peuple doit s'organiser pour sauvegarder ce qu'il y a de plus cher en chacun de nous, la culture. Les organisateurs de Mambo Festival l'ont très bien compris. En 1993, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OADA, a été créée dans le but de garantir une sécurité de l'investissement au sein de l'espace africain. L'institution, pour son fonctionnement, s'est dotée de structures spécialisées, dont le secrétariat permanent. Quel bilan peut-on faire 23 ans après la création de cette organisation? Afin d'avoir des réponses concrètes à cette interrogation, nous avons invité sur ce plateau le professeur Dorothée Soussa. Il est ici en tant que secrétaire permanent de l'OADA. Bienvenue, professeur. Bonjour, madame Afouda. Alors, que fait le secrétariat permanent au sein de l'organisation et quelle est sa place dans l'organigramme? Alors, il faut savoir que, comme toute organisation internationale, l'OADA avait besoin d'un exécutif, d'un organe exécutif. Le secrétariat permanent est l'organe exécutif de l'OADA, qui comprend 3 institutions au total. Il y a le secrétariat permanent, donc, qui est au sommet de l'ensemble des institutions. Mais nous avons également une cour commune de justice et d'arbitrage, qui est basée à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et nous avons l'école régionale supérieure de la magistrature, qui est basée à Porto Novo, au Bénin. Et donc, le secrétariat permanent qui est fixé à Yaoundé, au Cameroun, assure la coordination de l'ensemble du système et est l'organe exécutif de tout ce système. Alors, 23 années après la création de l'OADA, peut-on dire aujourd'hui que l'état de droit est une réalité concrète pour les investisseurs au sein de l'espace? Alors, il faut savoir que, très très concrètement, l'OADA a posé 9 actes uniformes. C'est un ensemble de lois. Nous avons un code OADA qui est en vigueur dans l'ensemble des 17 États, parce qu'il y a aujourd'hui 17 États membres de l'OADA. Et ce droit qui est commun donc à tous ces États régit l'essentiel des activités économiques dans ces États. Par exemple, vous, pour créer votre société dans l'espace OADA, vous êtes obligé de recourir au droit OADA. C'est conformément à ce droit que vous pouvez créer une société. Si vous vous adressez à une banque pour obtenir du crédit, c'est conformément au droit OADA qu'on va vous donner le crédit. Et si jamais il y a un problème de recouvrement de créances, c'est suivant le droit OADA que ça va se faire. Et en cas de conflit, vous allez devant des juges qui vont appliquer le droit OADA. Tant que vous êtes dans le domaine du droit des affaires ou du droit commercial, c'est ce droit qui s'applique, c'est ce droit que les juges vont appliquer. Et si jamais vous n'êtes pas d'accord par rapport aux décisions rendues par un tribunal au niveau local ou par la cour d'appel qui est de compétence également au niveau local, vous vous portez devant la cour commune de justice et d'arbitrage au niveau suprême. Et c'est à ce niveau-là que vous avez la décision finale qu'on ne peut plus contester. Alors, cela signifie que nous avons toute une architecture qui fonctionne. Nous avons sur le plan normatif, sur le plan des normes, des textes, nous avons donc un ensemble de textes qui couvrent l'essentiel
de tout ce que vous pouvez faire dans le domaine commercial. Et sur le plan de l'application de ces textes, nous avons également des organes qui sont en place. Il y a les organes étatiques de chaque État, d'une part, et puis la Cour qui est au sommet de la hiérarchie. Mais n'oublions pas que s'agissant d'un droit nouveau, parce que 23 ans pour un être humain, c'est peut-être quelque chose d'important, mais l'OADA, c'est une institution, et donc 23 ans, ce n'est pas grand-chose. Et pour que ce droit nouveau qui est créé par l'OADA soit bien connu et bien compris, nous avons une école, nous avons l'école dont j'ai parlé, qui est chargée donc de la diffusion de la connaissance par rapport à ce droit, et qui va au-delà des praticiens du droit pour faire ce travail-là. Puisqu'il ne faut pas oublier que la comptabilité des entreprises relève également de l'OADA, donc les experts comptables doivent aller là-bas. Et nous nous adressons également aux acteurs des entreprises, c'est-à-dire les destinataires finaux donc du droit OADA. Ils peuvent également être formés par notre école. Et quel est le mécanisme mis en place au sein de l'espace OADA pour sécuriser l'investissement? Alors, comme je viens de le dire, il faut savoir que si le droit qui régit les activités économiques, n'est pas un droit sûr. Si ça ne garantit pas l'outil économique, vous ne pouvez pas aller loin. Vous avez parlé de la sécurisation de l'investissement. Sécurisation, disons, juridique et judiciaire. Lorsque quelqu'un vient investir, par exemple, créer une entreprise de télévisuelle comme ceci, il faut que la propriété soit garantie. Il ne faudrait pas les impôts viennent par exemple étouffer le fonctionnement de l'entreprise. Il ne faudrait pas qu'en cas de conflit, eh bien, les juges ne puissent pas appliquer une loi vraiment assez juste. C'est des choses auxquelles il faut veiller, qui ne l'aident rien et qui sont essentielles. Alors, je veux dire, quand vous arrivez dans l'espace OADA, mettons que vous veuillez par exemple investir dans les mines, vous allez créer une société. L'OADA offre plusieurs types de sociétés. Vous choisissez la société qui irait le mieux pour votre activité et vous créez votre société donc en vertu du droit OADA et en fonction donc de ce que vous aurez choisi comme type de société. Et comme je l'ai dit, pour le fonctionnement de cette société, l'OADA a prévu des instruments pour que le fonctionnement soit le plus sûr possible et surtout... Chaque fois que nécessaire, vous allez voir que dans les textes de l'OADA, on a essayé de faire en sorte que l'investisseur ne soit pas effrayé, se dise « je vais faire affaire dans l'espace OADA, mais ça va me profiter ». Et c'est à travers le profit de l'investisseur que l'État aussi va tirer profit. Parce que si vous n'avez pas d'entreprise, vous n'avez pas de création d'emploi, vous n'avez pas d'impôts à prélever. Et donc l'OADA essaye d'entourer tout cela, voilà un peu, si on peut schématiser la façon dont nous fonctionnons. Et je répète que nous avons des textes dans 9 domaines différents, qui couvrent l'essentiel de ce qui peut se faire en droit des affaires. Alors tout à l'heure, vous l'avez dit, il existe des normes juridiques. Nous avons également la CCJA, qui existe donc. Un encadrement juridique existe au sein de l'espace, mais est-ce que cet encadrement juridique suffit pour régler tous les problèmes juridiques au sein de l'OADA? Non, on ne peut pas dire que l'OADA fait tout. Je vous donne quelques exemples. Nous avons la propriété intellectuelle qui est essentielle dans le domaine du droit des affaires. Ce n'est pas l'OADA qui s'occupe de la propriété intellectuelle. Nous avons par exemple les assurances qui sont essentielles dans le domaine du droit des affaires. Ce n'est pas l'OADA qui s'occupe de régir les assurances dans l'espace OADA. On peut aller plus loin. Si nous prenons l'Union économique et monétaire ouest-africaine, par exemple, on voit qu'elle a des compétences en matière économique et qu'en vertu de cette compétence, elle pose des règles en matière de télécommunications, en matière de moyens de paiement. Tout ça, c'est des éléments qui participent du droit des affaires, du droit économique, mais qui ne relèvent pas de la compétence de l'OADA. Donc on ne peut pas dire que l'OADA fait tout. Mais attention, nous avons suffisamment à faire de toute façon par rapport aux compétences qui nous sont dévolues. Et de toute façon également, nous travaillons avec les autres institutions régionales ou sous-régionales qui soutiennent les États dans la tenue du bon fonctionnement des activités économiques.
Alors après 23 ans, que peut-on retenir pour ce qui est de la partition de l'organisation dans les performances que les économies des pays membres enregistrent aujourd'hui? Alors vous savez, en 1993, lorsque l'OADA a été créée, tous nos États étaient dans la détresse économique. Ceux qui vivaient à l'époque savaient que personne ne pariait un sou sur le devenir de l'Afrique. Tous nos États étaient sous ajustement structurel, avec la Banque mondiale et le FMI. Et on se demandait comment se tirer d'affaire. Et ceux qui étaient bien informés à l'époque savaient ce qui se disait sur l'Afrique. C'était vraiment une terre qui n'a pas d'avenir. C'est ce qu'on disait de nous. Vous voyez, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, et d'ailleurs, il n'y a pas trois mois, nous avons eu le rapport McKinsey, qui, dans le système anglo-américain, a une importance majeure, qui démontre, sur le plan économique, que c'est l'Afrique qui est l'avenir économique du monde. Vous voyez, alors, qu'est-ce que l'OADA a fait dans tout ça? Nous l'avons démontré en 2013, à l'occasion de la célébration du 20e anniversaire de l'OADA. Nos chefs d'État nous ont demandé de faire une étude d'impact économique de l'OADA. Et nous avons vu que, de 93 à 2013, grâce à l'action de l'OADA, eh bien, nos pays ont beaucoup progressé sur le plan économique. On a plus d'espoir aujourd'hui chez nous qu'en 1993. Vous allez me dire qu'il y a beaucoup de misère toujours, qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'espoir. C'est vrai, mais il faut savoir d'où nous sommes partis. Et il faut surtout savoir que nous avons des exigences de bonne gouvernance de toute façon, quels que soient les outils juridiques que nous allons nous donner, et qu'avec des efforts dans ce sens-là, et avec la poursuite donc, de l'encadrement juridique de l'activité économique que nous faisons, le sérieux dans la mise en œuvre des textes qui sont pris, nous sommes convaincus qu'on aboutira progressivement à l'amélioration des conditions de vie du plus grand nombre d'entre nous. Des populations africaines. Alors, l'OADA ambitionne de concrétiser dans les tout prochains mois le processus d'informatisation du registre de commerce et de crédit immobilier en vue d'accroître la confiance des acteurs économiques. De quoi est-ce qu'il s'agit concrètement? Alors, vous savez, lorsqu'on veut faire affaire, nous voulons que des investisseurs arrivent chez nous, mais pas seulement. Nous avons également des gens de chez nous qui voudraient investir. Mais pour investir, eh bien, cela signifie que vous entrez en collaboration avec d'autres entrepreneurs, avec d'autres entreprises. Mais il faut déjà les connaître, il faut déjà être sûr que ces entreprises existent. C'est pour ça que lorsqu'on crée une entreprise commerciale, il faut l'enregistrer. Ça, ce n'est pas nouveau. Le registre du commerce a toujours existé. Ce qui est nouveau dans le système OADA, c'est qu'on y a ajouté le crédit immobilier. Cela permet de s'assurer de l'état d'endettement de son partenaire potentiel ou actuel. Vous voulez faire affaire avec quelqu'un, il est bon de savoir si vous pouvez, par exemple, lui faire confiance, lui faire crédit, et dans quelle mesure vous pouvez lui faire confiance et lui faire crédit. Alors, grâce au système du registre du commerce du crédit immobilier, vous vous adressez au greffe et vous avez l'information. Mais jusque-là, tout cela est manuscrit. On ne peut pas y accéder. Notre idéal, ce qui a été décidé de toute façon par nos gouvernements, c'est qu'on puisse, de n'importe où sur la planète, en cliquant sur son site internet, sur le site internet plus exactement de l'OADA, qu'on puisse savoir que telle entreprise existe, par exemple, au Bénin, que cette entreprise a tel niveau d'endettement, que de partout au monde on le sache. Et ce qui ferait que lorsqu'on veut faire affaire avec cette entreprise, on est assuré qu'on ne va pas en aventure. Ça, c'est vraiment important. Les banquiers, qui sont quand même, qui constituent jusqu'à aujourd'hui en tout cas, un élément essentiel dans le financement de l'économie. Il n'y a pas que ça dans d'autres économies. Mais chez nous, les banquiers constituent des acteurs essentiels. Il faut que les banquiers puissent avoir vraiment ces informations-là. Dans le registre du commerce crédit immobilier, par exemple, on doit inscrire, comme le nom l'indique, le crédit, tout ce qui est crédit immobilier. Lorsque vous prenez des engagements au niveau des banques, tout cela, ça doit ressortir au niveau du registre du commerce. Alors, lorsqu'on va mettre ça en ligne, le banquier n'aura pas à souffrir pour obtenir l'information sur vous lorsque vous vous adressez à lui pour obtenir son soutien. Alors, quelles sont les limites de l'OADA aujourd'hui? Quels sont les défis qui restent à relever pour un meilleur fonctionnement en vue d'obtenir de meilleurs résultats au sein de l'espace?
Alors l'OADA, c'est une création humaine. Il ne faut pas s'attendre à quelque chose de parfait. D'abord, il faut savoir que même quand on considère les matières sur lesquelles l'OADA est intervenu jusque-là, eh bien, on voit qu'il y a quand même quelques insuffisances encore. Par exemple, aujourd'hui, nous avons un problème avec la facturage. La facturage, de quoi s'agit-il? Lorsqu'un banquier ou bien lorsque quelqu'un vous prête de l'argent et que vous ne remboursez pas, aller en procès, ça n'intéresse pas beaucoup les gens. Les gens préfèrent donc se défaire de leur créance sur un facteur, comme on dit, c'est un système, et le facteur s'occupe de récupérer l'argent, mais eux, ils se déchargent de leur créance avec des cotes sur un facteur, et ça nous aurait permis d'attirer plus de capitaux. Merci de nous avoir accordé cet entretien. On se dit à très bientôt. Merci beaucoup. Et merci à SICA TV et à toute votre équipe. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, ce sera tout pour ce numéro de votre émission Entretien du jour. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite au programme sur SICA. À très vite. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'émission Angle de vue, votre sujet de décryptage donc des faits de l'actualité sur le continent africain. L'édition de ce jour est consacrée à l'introduction des produits génétiquement modifiés sur le continent. L'Afrique court le danger donc de devenir le dépotoir de l'industrie controversée des organismes génétiquement modifiés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est bien sûr le rapport d'une enquête menée donc sur le continent à travers donc ces produits OGM. Alors les défenseurs de la technologie du génie génétique diffusent l'argument attractif de cultures génétiquement modifiées apportant donc la deuxième révolution verte et la réponse à la faim en Afrique. Pourquoi donc s'opposer à ces cultures sur le continent? Et si c'est le cas, quelles alternatives proposent les Africains donc à l'introduction des produits OGM sur le continent afin de contrer la faim? Ce sera donc le thème de discussion de votre émission Angle de vue pour le continent de ce matin. Là-dessus, nous avons donc invité pour vous les acteurs du domaine. Il s'agit de Ali Tapsoba, technicien agroalimentaire, président de l'ONG Terre à Vie, porte-parole du collectif citoyen pour l'agroécologie. C'est bien sûr une plateforme de la société civile qui intervient au Burkina Faso. Monsieur Tapsoba, bonjour. Bonjour et merci pour cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Et également René Segbenou, vous êtes le président de l'ONG Dinoukou, coordonnateur de la coalition de veille OGM au Bénin. Merci également de répondre à notre invitation. Merci aussi à vous de nous avoir invités. Alors, chers amis téléspectateurs, c'est bien sûr nos invités avec lesquels nous allons donc débattre de cette question cruciale, l'introduction des OGM sur le continent. Mais avant, voici la transition. Monsieur Segbenou, bonjour à nouveau. Vous avez donc, avec votre ONG Dinoukou, fait beaucoup d'observations dans le cadre de l'introduction des OGM, surtout dans votre pays, au Bénin, et vous avez estimé que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout. D'abord parce que les organismes génétiquement modifiés ont vu le jour il n'y a pas longtemps. Et comme vous avez su d'ailleurs le dire, l'argument principal qu'on a donné, c'est que c'est la solution pour la faim sur le continent africain, ce qui est tout à fait faux. C'est une science très jeune et vous savez que le continent a réglé ses problèmes de nutrition des millénaires avant et jusqu'à ce siècle-ci, nous n'avons pas eu besoin des OGM pour nous nourrir. Et pourquoi subitement cela vient? Mais il y a la famine quand même sur le continent, mais il ne faut pas l'ignorer. Il y a beaucoup de. Face aujourd'hui au phénomène du changement climatique, il y a beaucoup de parties du continent qui souffrent quand même de la famine. Non, c'est vrai qu'il y a de la famine à beaucoup d'endroits sur le continent. Mais ce n'est pas dû au problème de la production. C'est dû tout simplement au fait que la production existe, mais nous ne savons pas la déplacer d'un endroit à un autre. Ou alors, il y a des guerres. Vous savez, qui empêche les gens d'aller produire. Et il y a aussi de mauvaises politiques agricoles qui sont adoptées par la plupart de nos pays. Vous savez, les études ont déjà prouvé aujourd'hui que dans le monde, si on prend le monde entier ensemble, il y a suffisamment
à manger dans le monde pour qu'il y ait la famine dans un endroit de cette planète aujourd'hui. Mais le problème, c'est justement que nous avons mal produit parfois et nous avons produit ça à un endroit et on ne pourra pas l'amener à un autre. Donc, maintenant, si on vient, oui. Si on vient à l'argument des OGM comme solution à la faim dans le monde, mais tout ce qu'ils ont dit, on a dit qu'on a fait les OGM pour augmenter la production, mais ça n'a jamais été vérifié. Ah bon? Oui, tout à fait. Et on en viendra tout à l'heure. Monsieur Tapsoba, est-ce que c'est votre avis aussi? Vous pensez que les OGM ne sont pas peut-être des panacées pour la question de la faim en Afrique? Pas du tout. Il y a une chose qu'il faut qu'on dise. La question de la faim n'est pas liée à un manque de nourriture dans le monde. Il y a suffisamment à manger pour toute l'humanité et un rapport de l'ONU montre qu'il y a même surproduction alimentaire. Ce qu'il faut retenir, si vous avez faim, il y a deux choses. Soit quelqu'un a confisqué votre nourriture, soit il y a eu une mauvaise répartition de l'alimentation. C'est ça qui est la vérité. Pour vous dire, l'introduction des organismes génétiquement modifiés n'est point pour régler le problème de la faim. L'enjeu est ailleurs. Premièrement, il y a des enjeux au niveau économique. Vous savez qu'avec les organismes génétiquement modifiés, on parle de brevetage du vivant. Les semences qu'ils utilisent, parce que vous savez bien que les organismes génétiquement modifiés, c'est l'introduction en fait d'une technologie, c'est la manipulation des gènes dans nos semences. Et selon les conventions, ces semences appartiennent désormais à ces firmes qui vont positionner des prix. L'enjeu économique est que nos producteurs seront obligés de payer ces semences. Exemple, au Burkina Faso, le sac de coton coûtait 800 francs pour l'hectare, la semence du coton. Lorsqu'on a amené les organismes génétiquement modifiés, le même sac est passé à 27 000. Mais pourtant, vous avez accepté. Non, nous n'avons pas. Parce que le Burkina a fait quand même l'expérience du coton BT. Non, nous n'avons pas accepté. Nous allons y revenir parce que l'introduction des cotons génétiquement chez nous, ça a été en fait une manipulation politique. Je reviens à l'enjeu économique. Il y a la vente des herbicides et des pesticides. Parce que ceux qui produisent les organismes génétiquement modifiés, en fait, conditionnent l'exploitation par l'usage d'herbicides et de pesticides dont eux seuls ont le monopole. Ça, ce sont les enjeux économiques. Au niveau culturel, il y a que vous savez très bien que la question de la production commande l'alimentation. Et avec les semences, ils vont vous poser, du moins vous contredire, à consommer d'autres modes d'alimentation. Ça va toucher vos aspects culturels. Au niveau environnemental, il y a des questions de contamination génétique. Parce qu'avec les phénomènes de pollinisation, on va laisser les gènes dans d'autres productions. Il y a les enjeux politiques parce que les semences vont créer de la dépendance. Nos producteurs vont dépendre de ces films qu'ils produisent. Ah. Ce n'est pas seulement sur le continent africain que ça se passe également ailleurs, M. Segbenou. Permettez-moi. Pourquoi l'Afrique veut rester quand même isolée de l'évolution du monde? Je vais ajouter une chose à ce qu'il a dit, hein, comme inconvénient. Lorsque on vous propose, lorsque vous adoptez les OGM, cela veut dire que vous adoptez un mode de culture qui ne vous appartient plus. C'est-à-dire que notre agriculture va être prise en otage. Comme il a dit, celui qui a produit les semences, c'est le même qui produit les pesticides, oui, c'est le même qui produit les herbicides. L'Afrique ne fait pas de la culture industrielle quand même. Ah oui, l'Afrique ne fait pas de la culture industrielle. Mais pourquoi vous voulez rester toujours au stade de primaire? Non, ce n'est pas justement. Il n'y a pas que entre l'agriculture, qu'on peut appeler agriculture traditionnelle et l'agriculture industrielle, il y a de la place pour une autre agriculture et que nous faisons, que nous appelons l'agroécologie et qui est efficace. Et on aura le temps de le dire dans la deuxième partie de cette émission. Vous voyez, nous n'avons pas que le choix entre ne pas et progresser dans l'agriculture et faire l'agriculture industrielle. L'agriculture industrielle a en fait un seul objectif, c'est le profit, c'est tout. Et ce profit, à quel prix? Alors, l'agriculture industrielle pollue massivement l'environnement. Vous savez,
pour faire de l'agriculture industrielle, vous utilisez massivement des pesticides, massivement de l'herbicide, massivement de l'intrant chimique. Tous ces intrants-là, ça va dans l'eau, dans l'air et dans l'atmosphère. Vous savez, lorsque vous pulvérisez dans un champ, par exemple de coton bété ou dans un champ de pommes de terre ou dans un champ de pommes fruits, vous savez, 90% des produits que vous avez pulvérisés vont dans l'air, dans l'eau et dans le sol. C'est seulement 10% qui restent sur les produits que vous voulez traiter. Mmh. Vous voyez, donc on pollue énormément l'environnement. Deuxièmement, ce n'est pas seulement l'environnement. Tout être humain qui est exposé à ces produits garde des traces. Et vous savez, les pesticides, j'ai coutume de les définir comme des poisons dangereux. Ce sont des poisons. Un herbicide, c'est un poison violent. Est-ce que vous voyez? Donc, si vous l'utilisez, vous empoisonnez donc vous-même et les populations autour. Et les pesticides sont encore reconnus comme des perturbateurs endocriniens. C'est-à-dire que ce sont des produits qui empêchent, n'est-ce pas, les systèmes de reproduction. Les hormones de reproduction sont perturbés. Et donc, c'est autant de dangers que l'on apporte, n'est-ce pas, dans le milieu, dans l'agriculture. Oui, mais ça fait quand même un moment que les Occidentaux l'utilisent dans la production, mais jusque-là, tel que vous présentez le tableau là aujourd'hui, c'est parce qu'on ressent là-bas, M. Tafsouba. Est-ce que vous avez fait quand même l'expérience de coton bété au Burkina Faso? C'est un coton génétiquement modifié. Mais qu'est-ce que vous avez ressenti? Expérience lamentable. Il faut préciser que l'introduction des organismes génétiquement chez nous, ça n'a pas été fait avec l'aval de la population du Burkina Faso. C'était un deal politique. Sinon, des scientifiques émérites, des généticiens, la société civile du moins, a rejeté les organismes génétiquement modifiés. Même au départ, l'Union des producteurs de coton a rejeté les OGM chez nous. Si vous voyez qu'on a pu produire les OGM chez nous, il y a eu essentiellement trois choses. Premièrement, une pression politique. Deuxièmement, la corruption de certains chercheurs. Troisièmement, parce qu'on a proposé l'Union nationale des producteurs de coton d'être actionnaire. Et effectivement, ils sont actionnaires à 30% dans l'interprofession du coton. C'est ça qui a amené ces gens à accepter la production du coton génétiquement modifié chez nous. Et aujourd'hui, le Burkina, c'est l'expérience lamentable dont le Bénin, toute l'Afrique doit regarder. Parce que quand vous voyez, on a déclaré l'échec du coton bété chez nous sous le prétexte que la fibre est devenue courte et les producteurs ont perdu. Et mieux, ils ont même réclamé 50 milliards à Monsanto pour les pertes. Nous avions dit que le coton génétiquement modifié n'était pas bon depuis 2003. L'histoire vient nous donner raison. Mais si aujourd'hui, M. Segbenou, au Bénin, vous avez lutté, au Burkina Faso, les gens ont fait l'expérience. Mm-hmm. Il y a beaucoup d'autres pays africains qui sont encore en train d'expérimenter ces cultures. Même en Afrique du Sud, c'est officiel. Ils vendent même, ils produisent, ils vendent. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut faire sur le continent, puisque tout le monde dit on veut s'opposer, mais des pays africains déjà font l'expérience. Oui, mais les pays africains ont fait l'expérience et on a vu que c'est une expérience malheureuse. Même en Afrique du Sud, dont vous parlez, c'est, là-bas aussi, ça a été une expérience malheureuse. Et nous avons des collègues là-bas aussi, des organisations qui luttent comme ça, qui interpellent les gouvernants sur cette question-là. Partout où on a utilisé les OGM jusqu'à aujourd'hui, on a connu des problèmes. C'est d'ailleurs pourquoi nous, on a dit les OGM, c'est la solution qui devient problème. Maintenant, vous dites que... Et qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Alors, on a prétendu que sans OGM, sans pesticides, sans herbicides et sans intrants chimiques, on ne peut pas nourrir le monde. Et c'est faux. Bon, nous, au lieu de bavarder, de chercher à expliquer, nous, à Djinoukou, nous avons pris un site à Djeffa, à Semepo, à côté de vous ici. Et parce que nous avons dit, et on nous a dit non, nous sommes allés là-bas. Au milieu de ceux qui produisent là-bas, ils utilisent les pesticides, les intrants chimiques. Nous, on produit, on fait du maraîchage. Les mêmes produits que carottes, choux, boma, concombres,
tombeau. On fait sans pesticides. Oui, c'est sûr que vous n'aurez pas le même rendement, c'est clair. Non, justement, nous avons exactement le même rendement. Et ce matin, nous étions chez votre consoeur, la BB24. Nous avons présenté des produits là-bas. Si on savait, on allait apporter. Nous avons des concombres, des trucs. Et le maïs, c'est exactement la même chose. Dans certains produits, on fait même plus que. Alors, mais Monsieur Tapsoba, alors en quoi est-ce que les produits génétiquement modifiés menacent tels véritablement cette culture la menace réellement l'agriculture biologique et l'agriculture durable? Alors, déjà avec le phénomène de contamination génétique, par le biais de la pollinisation, nos espèces que nous avons au niveau local peuvent être contaminées par les organismes génétiquement modifiés. Et nous allons nous retrouver avec des semences hybrides dont on ne maîtrise pas ce que ça peut être. Un exemple, chez nous, avec l'introduction du coton BT, nous sommes en voie de soupçonner que des espèces comme le gombo, le bissap qui s'apparente au cotonnier, peuvent avoir reçu ce gène-là. C'est pour ça que nous avons demandé qu'il y ait des études d'impact environnemental. Au niveau des abeilles, avec le phénomène de pollinisation que les abeilles font de façon formidable, on a remarqué que dans les champs où on culture beaucoup le coton génétiquement modifié, nous n'avons plus d'abeilles. Ça menace intensivement notre agriculture. Et vous savez très bien, la semence est la mère de toute production. Si on maîtrise vos semences, on va maîtriser votre production. Et si on maîtrise votre production, on va maîtriser votre alimentation. Et si on maîtrise votre alimentation, on va naturellement maîtriser vos politiques agricoles. Alors que l'Afrique a besoin d'une agriculture souveraine, indépendante, qui respecte notre culture, notre environnement, nos modes de vie. C'est ça qui est la réalité. Et les OGM, ça vient pour dégrader tous ces aspects que nous venons de citer. Vous savez très bien, l'année 2014, ce n'est pas un hasard si l'ONU l'a déclaré comme année internationale de l'agriculture familiale. Ça veut dire que nos populations depuis les millénaires ont toujours été nourries par ce mode de production familiale. Aujourd'hui, ce qui va venir déréglementer cette façon de produire, ça va tuer notre agriculture. Ça va tuer votre agriculture, mais est-ce que ça tue également la biodiversité? C'est ce que les gens avancent. Vous êtes en phase d'expérimentation, vous avez dit sur un site, on n'a pas forcément besoin de le nommer ici, mais est-ce que véritablement vous avez noté entre vous et ceux qui sont en train de pratiquer des pesticides à vos côtés qu'il y a une certaine dégradation de la biodiversité? D'abord, la dégradation de la biodiversité, ce n'est même pas lié à un seul site. C'est lié d'une façon générale à l'écosystème dans lequel on introduit les organismes génétiquement modifiés. Comme mon collègue vient de dire, hein, lorsque vous faites ça, qu'est-ce qui se passe en fait? Lorsqu'on introduit les organismes génétiquement modifiés, c'est souvent appuyé par beaucoup d'argent. C'est dans le cadre d'un projet. Et ce projet vous pousse à utiliser une semence au détriment des autres semences. Quand on fait ça, qu'est-ce que vous faites? Progressivement, vous délaissez vos semences locales. Et puis progressivement, c'est les semences génétiquement modifiées qui prennent la place. Comme il a dit, avec les semences génétiquement modifiées, vous devez chaque année retourner acheter à celui qui l'a produit. Il a déjà mis un brevet là-dessus. Donc vous n'êtes plus souverain. Vous n'êtes plus souverain, vous êtes dépendant d'eux. Et lorsque vous allez avoir un problème, parce que ces semences-là, comme nous l'avons vu pour le coton BT au Burkina Faso, il y avait des problèmes. Imaginez que pendant ce temps, on a supprimé complètement la production de semences de coton conventionnel. Lorsqu'on va dire, paf, nous avons des problèmes, nous laissons tomber cette semence, retournez à nos semences, on ne va plus les retrouver. Et on va être dans une situation encore catastrophique parce qu'on aura détruit ce que vous avez. Ce que on vous a apporté est devenu un problème et vous vous trouvez dans une situation où vous ne pouvez plus aller de l'avant ni en arrière. Est-ce que vous voyez? C'est là déjà l'érosion qu'on appelle l'érosion génétique. Est-ce que vous voyez? Donc, si on ne fait pas attention, déjà, l'Afrique est parmi les continents sur lesquels nous avons le plus grand nombre de ressources génétiques aujourd'hui non exploitées. Et sans savoir ce que nous avons autour de nous, vous voyez, nous allons nous jeter sur une solution nouvelle qui vient de l'extérieur, dont nous ne maîtrisons même pas la production. Au Burkina, lorsqu'ils ont accepté le coton génétiquement modifié, vous savez qui leur a fourni ça? C'est Monsanto.
qui a fourni le coton. Et il a fourni de l'extérieur. Et entre-temps, les gens ont dit, mais si vous transformez notre coton, qui va avoir la paternité du nouveau coton? Alors que vous avez pris notre coton, vous l'avez transformé. Vous voyez? Donc, nous disons que si on veut préserver vraiment la diversité biologique, qui est la base de la vie, nous trois qui sommes ici, nous sommes différents l'un de l'autre. Et dans la nature, c'est comme ça. Tous les êtres vivants sont spécifiques. Et c'est ce qui fait que nous résistons et que nous résistons à la mort. Donc, à la disparition, je veux dire. Vous voyez? Donc, préserver la diversité biologique, c'est préserver la vie pour tout le monde. Alors, et pour la plante, les plantes, et pour les animaux, et pour les hommes sur la planète. Voilà, le débat se pose, à mon avis, parce que ces produits génétiquement modifiés nous viennent de l'extérieur. Oui. Mais vous avez des chercheurs aussi bien au Nigeria, à Ibadan, qui travaillent sur les cultures, également à Ita, au Bénin, qui travaillent également sur la recherche agricole. Si en tout temps, ils aboutissaient à des résultats qui tendent vers ces cultures génétiquement modifiées, allez-vous rejeter ces résultats? Je tape sous bas. Alors, il faut dire que nous exigeons en fait un moratoire de 10 ans pour permettre à nos chercheurs d'avancer davantage dans les recherches pour mieux comprendre le phénomène avant d'opter d'y aller ou pas. Cela veut dire que quand vous regardez la question de l'agriculture dans nos pays, il y a beaucoup de chercheurs qui ont déjà fait des recherches. Il y a les semences améliorées. Déjà, c'est le moindre mal quand même quand nous préférons que les semences restent traditionnelles. Il y a assez de trouvailles qu'on n'a même pas suffisamment exploité. Pourquoi nous allons aller chercher des problèmes avec les organismes génétiquement modifiés qui ont fait des conséquences dans beaucoup de pays, en Argentine, au Brésil, en Inde, même au niveau de l'Europe. Et d'autres chercheurs ont même pu démontrer que la consommation de ces organismes génétiquement modifiés par les animaux crée des tumeurs de cancer. Je cite le professeur Seralini, au moins qui a fait l'expérience de nourrir les rats avec du maïs OGM et il s'est rendu compte que les rats développaient des tumeurs. Il y a pas mal d'autres expériences. Monsanto avait fait une hormone, Posilac, sous le prétexte d'augmenter la production en lait des vaches. Lorsque ces vaches ont été injectées par Posilac, à la place du lait, c'est du pu qui sortait. Il y a pas mal d'autres expériences comme ça dans le monde qui nous convainc que nous n'avons pas besoin d'organismes génétiquement modifiés. Donc ça constitue la menace pour l'espèce humaine. Tout à fait, justement. L'exemple qu'il a donné, c'est un exemple très parlant. Ça s'est passé au Canada. Et j'ai été obligé de corrompre, les chercheurs pour pouvoir introduire le Posilac parce qu'on savait déjà que c'était contaminé. C'est la même chose pour aucune façon. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour que le coton BT passe. Et les gens savaient, au départ, à l'introduction du coton sur le marché, que ça n'allait pas. Mais autour de ça, ils ont organisé des mensonges. Et donc, ils ont dit que ça est passé pour la nourriture. Ils ne nous diront jamais la vérité. Pourquoi? Parce que tout aliment génétiquement modifié qu'on introduit sur le marché n'est testé que pendant 3 mois. Et c'est celui qui a fait l'aliment génétiquement modifié qui le teste et dit voilà, c'est bon, vous pouvez l'utiliser. Donc nous disons que vraiment, si on veut réellement nourrir la population de chez nous, c'est pas vrai, c'est pour lui dangereux et qu'il faut aller. Vous apportez une position. Alors, le cas du Burkina, il a parlé de rendement. Lorsqu'on introduisait le coton génétiquement modifié chez nous, il y a eu 3 mensonges. Monsanto a fait comprendre aux producteurs que le rendement allait augmenter d'environ 30%. Cela, c'est un peu faux. Nous avons ici le mémorandum de l'association interprofessionnelle du coton. Le mémorandum qu'ils ont adressé à Monsanto. À l'intérieur, leurs propres statistiques disent qu'on a eu un rendement inférieur à 10%. Le deuxième mensonge, ils ont fait comprendre qu'avec le coton génétiquement modifié, on allait réduire le traitement à l'herbicide de 6 à 3 traitements. Dans leur même mémorandum, on s'est rendu compte que les producteurs ont fait le traitement de 4 à 6 fois. Troisième mensonge, ils ont fait comprendre qu'avec le coton génétiquement modifié, on allait exploser davantage sur le marché international. Au contraire, le coton burkinabé, qui était premier au niveau de l'Afrique en 2007, en 2008, lorsqu'on a commencé à commercialiser le coton génétiquement modifié, à partir de 2011, il y avait déjà des pertes chiffrées en milliards. Et vous avez constaté, en 2016, on a déclaré lamentablement l'échec du coton. Le coton burkinabé qui était prisé au niveau international
personnes donc, sur le continent africain. Vous estimez qu'aujourd'hui, les produits génétiquement modifiés ne sont pas donc une panacée pour la faim en Afrique. Vos chercheurs sont également actuellement dans les laboratoires de travailler. Et je sais que, bon, sincèrement, qu'est-ce qui va se passer si évidemment l'Afrique n'opte pas pour les cultures génétiquement modifiées et qu'elle va faire face à la famine? Je rejette les cultures génétiquement modifiées, ce n'est pas faire l'option de la famine. Parce que, à part les cultures génétiquement modifiées, il y a l'agriculture. Il y a une forme d'agriculture. Nous sommes en face aujourd'hui des changements climatiques où, oui, on ne peut pas dans certaines régions, oui, où il y a un phénomène El Niño qui affecte également d'autres régions. Oui. Et vous voyez les images à travers les médias. Est-ce que vous savez que c'est l'agriculture industrielle qui a provoqué les changements climatiques? Pourquoi? Parce que la pratique de l'agriculture industrielle, c'est quoi? C'est de la monoculture. C'est-à-dire quand vous allez dans les pays qui produisent de soja, par exemple génétiquement modifié, c'est un désert de soja. Donc, ils ont créé quoi? Ils ont créé des problèmes au niveau de l'agriculture au lieu de les résoudre. Et face à ça, comme il a dit, et la FAO est d'accord avec ça, on dit que l'agriculture familiale, c'est la voie royale si nous voulons produire et nourrir les populations de chez nous. L'année dernière, la FAO a fait 3 conférences régionales sur l'agroécologie. Pour dire que l'agroécologie, désormais, c'est la solution. Pourquoi? L'agroécologie, c'est l'agriculture qui utilise les moyens, les ressources locales pour produire. C'est l'agriculture qui se fait tout en respectant la nature, sans pesticides, sans herbicides, sans fertilisants chimiques. Et cette agriculture-là est en passe aujourd'hui de résoudre le problème de la production. Production pour même les produits de rente, comme aussi production des produits vivriers. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, notre IAM n'a jamais encore été génétiquement modifié. Le manioc que nous consommons aujourd'hui n'est pas génétiquement modifié. Et je peux continuer le sorgho et autres. Et nous produisons les statistiques de l'ONASA. Si vous les rapprochez de ça, sans aide, vous voyez, les paysans, l'agriculture familiale, aujourd'hui, chez nous, se pratique sans soutien. Et c'est pourquoi nous sommes en train d'interpeller les décideurs politiques. Si vous voulez, on va arriver tout à l'heure à ces propositions. Voilà. Je pense qu'on va sortir donc ce thème. Vous estimez que les produits génétiques ne sont pas donc une passée pour l'Afrique sur le continent. Qu'est-ce qu'on va faire pour notamment régler cette crise? Parce qu'on sait que l'Afrique vit vraiment la crise de la famine. Il faut dire que la solution, c'est l'agroécologie. L'agroécologie, c'est la partie qui respecte l'homme, la nature, l'eau, la terre, les semences. Et c'est démontré pendant des millénaires, c'est cette partie qui a nourri l'humanité. Vous avez parlé tout de suite d'un lien entre les changements climatiques et la famine. Moi, je vous dirais que c'est plutôt les OGM qui vont créer la famine. Parce que premièrement, une famine qu'on peut provoquer à partir du moment où ces multinationales sont maîtres des semences et de nous, sa famine. Deuxièmement, vous savez que l'organisme génétiquement modifié, c'est les toxines qu'on met à l'intérieur de ces semences. Ces toxines vont empoisonner le couvert végétal, contaminer les nappes. Et c'est ça qui va créer une déréglementation. Et le sol, le propre produit, c'est ça qui va créer la famine. Donc, c'est l'agroécologie qui a la solution pour nourrir le monde. Et encore, je reviens à une conviction que j'ai dit en préambule. Le monde, l'humanité n'a pas faim parce qu'il manque la nourriture. Le problème de la faim est dû soit à une confiscation de notre alimentation ou à une mauvaise répartition de notre alimentation. Ça, c'est une vérité. Merci à vous, c'est votre vérité. Je crois que chacun la partage sur ce plateau ici. Le monde n'a pas faim. C'est peut-être quelque part qui aurait confisqué donc la nourriture de l'un ou de l'autre. Mesdames, messieurs, ce sera donc tout pour la première partie donc de discussion. Nous restons donc sur les produits OGM. Nos invités n'ont pas changé. Le sujet reste également le même, mais cette fois, nous versons donc dans les perspectives. Ils ont nom Tafsoba Ali, technicien agroalimentaire, président de l'ONG Terre à Vie, porte-parole du collectif citoyen pour l'agroécologie. Il nous vient donc du Burkina Faso. René Sebenou, président de l'ONG Dinoukoum, coordonnateur de la coalition de veille OGM au Bénin. Vous êtes donc
donc restez avec nous. Désormais, l'Afrique, avec une douzaine de pays, doit déjà expérimenter les produits génétiquement modifiés, à réaliser, l'Afrique, je veux dire, donc à réaliser que ces produits introduits sur le continent ne font pas donc bon ménage avec l'agriculture bio, avec l'agriculture biologique, comme vous l'avez souligné sur ce plateau. Alors, que faire désormais? Il faut privilégier les solutions qui sont les solutions de chez nous. Parce que les OGM, c'est des solutions conçues, organisées de l'extérieur. Lorsque vous vous reposez sur des solutions qui viennent de l'extérieur, vous n'avez pas la maîtrise et vous courez à la catastrophe. Donc, d'abord, soyons d'abord confiants en nous-mêmes et utilisons les solutions qui sont chez nous. Et chez nous, il y en a énormément. Vous parlez tout à l'heure des propositions que vous voulez faire aux autorités. Voilà. Et je voudrais interpeller les autorités d'abord pour dire ceci, que si nous voulons réellement lutter, comme on dit, pour la production et de sorte que nos populations soient nourries sainement, pas seulement nourries, parce que rien que la nourriture, ça ne suffit pas, il faut que ce soit sain, sinon on est malade. Donc, je pense qu'il faut financer l'agriculture familiale. Et c'est l'agriculture pratiquée par le plus grand nombre de producteurs agricoles aujourd'hui chez nous. Chez nous, prenons le cas du vin, 70% des producteurs agricoles de chez nous, minimum, n'est-ce pas, 70% font de l'agriculture familiale, sinon presque tous. Ouais. Et si on veut demain que nous puissions régler le problème agricole chez nous, c'est cela qu'il faut financer. Or, aujourd'hui, c'est seulement maintenant, à ces temps-ci, qu'on parle du Fonds national de développement agricole, vous voyez. Et ce qui nous a nourris jusqu'ici, et j'ai déjà dit ça, ce qui nous a nourris jusqu'ici, c'est le travail des producteurs qui pratiquent l'agriculture familiale. Et ils ont fait ça jusqu'aujourd'hui, c'est un soutien réel. Les politiques agricoles de Chine, malheureusement, n'est-ce pas, ont pris en compte quoi? Ils ont pris en compte, n'est-ce pas, l'idéologie que pour faire de l'agriculture qui produit beaucoup, il faut utiliser beaucoup de pesticides, il faut faire de l'agriculture industrielle. Or, on a dit ça tout à l'heure, les pays dans lesquels on a pratiqué l'agriculture industrielle, ils sont en train de revenir de l'agriculture industrielle. Vous allez en Europe aujourd'hui, vous voyez partout cette boutique qui s'affiche bio. Et tout le monde veut manger sain et tout le monde veut manger bio. Or, en Afrique, nous sommes en situation de mieux produire le bio que les gens en Europe qui ont pendant longtemps utilisé. Vous allez proposer le mécanisme sur lequel vous fondez pour penser que l'Afrique peut proposer ou cultiver mieux les produits bio. Alors, M. Soba, qu'est-ce que vous pouvez aujourd'hui proposer aux agriculteurs africains quand ils vous opposent, tel que vous le souhaitez ici, à l'importation des produits OGM ou à la culture des produits OGM sur le continent africain? Quelle alternative est-ce que vous vous proposez à ces agriculteurs? Nous avons déjà dit que l'alternative se trouve dans l'agroécologie. Il faut des pratiques agroécologiques. C'est-à-dire? Les pratiques agroécologiques, ce sont des pratiques, des modes de production qui vont utiliser uniquement des intrants naturels, pas d'intrants chimiques. Mais est-ce que nous avons la capacité de produire ces intrants naturels? Il y en a suffisamment. Il y en a suffisamment. Les pratiques agroécologiques, ce sont les pratiques qui vont utiliser nos semences locales. Les pratiques agroécologiques, ce sont les pratiques qui vont respecter nos modes d'alimentation. Les pratiques agroécologiques, ce sont les pratiques qui vont respecter la terre et l'eau. Je sais que vous venez du pays des hommes intègres, mais est-ce que véritablement vous consommez rien que les cultures africaines? Rassurez-vous, au Burkina Faso, les gens aiment vraiment la consommation du local. Parce qu'il y a eu un travail de mentalité qui a été fait par le président Sankara et sa demeure. Nous allons aussi souhaiter résumer cette pensée en une phrase. Produisons ce que nous consommons, consommons ce que nous produisons. Parce que seul le développement endogène peut amener les pays de l'Afrique à développer leur agriculture. C'est le développement endogène qui est vraiment la solution. Et pour ce développement endogène, il faut très peu en réforme l'école. Il faut voir les cultures qui sont en phase avec la production de l'agriculture. Il faut aussi financer la recherche. Il faut des financements au niveau national pour nos chercheurs afin de les permettre de faire encore mieux leur avantage.
l'agroécologie, vous avez dit qu'il y a des dispositions, des conditions pour favoriser donc la culture agroécologique. Et lesquelles disposez-vous aujourd'hui? Nous sommes nous-mêmes en train de pratiquer cela. Vous savez, si vous voulez qu'une plante pousse bien, il faut d'abord vous occuper du sol. La plante est un animal comme nous-mêmes, les êtres humains, c'est la même chose. Si vous mettez, vous vivez dans un environnement pollué et qui n'est pas favorable à la santé, vous tombez malade. Donc, un, on soigne le sol. Deux, un agriculteur, c'est quelqu'un qui s'occupe de son champ. Il ne met pas le maïs, il s'en va et il revient pour voir si le maïs a poussé. Et quand vous faites ça, vous faites de la prévention. Aujourd'hui, nous avons des moyens naturels pour traiter. Vous savez, le lime, c'est un arbre vraiment qui est génial. L'huile de Nîmes, les graines de Nîmes, et, pardon, les feuilles de Nîmes peuvent servir à traiter. Ce sont des pesticides naturels. Vous avez les papayes, les feuilles de papayes. On peut traiter avec l'ail que nous utilisons nous-mêmes. Traite le plus loin. Je crois que vous avez raison, mais au-delà de tout, vous savez très bien que ces produits OGM, c'est pas seulement dans le secteur agricole. On les retrouve également au niveau de la pharmacie, également au niveau de l'industrie. Alors, comment est-ce qu'on peut les contrôler? C'est un réel problème, même si vous, au cas local, vous ne les cultivez pas, on peut toutefois les introduire dans les supermarchés, vous allez les acheter. À ce effet, nous allons donc rapidement ce petit que nous avons réalisé et revenir sur le plan. Très bien. La formation et l'information du corps de contrôle et d'inspection sur les OGM et sur le cadre juridique de la biosécurité au Bénin est un creuset d'échanges que ces acteurs ont initié pour passer aux actes concrets s'agissant de la lutte et le contrôle des produits OGM sur le territoire béninois. Le protocole de Cartagena est un mécanisme qui permet de lutter contre les risques liés à ces produits. C'est pour les informer de la mise en œuvre de ce protocole-là. De les informer également de ce qu'on appelle OGM et des risques que cela peut avoir. Et également de les informer pour qu'ils soient en alerte par rapport à la circulation des OGM. Parce que ces OGM vont venir au Bénin, puisqu'on ne produit pas, ça vient de l'extérieur. Et ça vient de l'extérieur, ça peut être à travers nos frontières. Certains scientifiques estiment que la diffusion de la biotechnologie. Peu de ces feuilletons judiciaires. Bon, disons que c'est vrai que j'ai eu à présider cette cour, cette chambre, mais avant cela, j'ai eu une expérience de très longue date depuis les juridictions nationales, également en passant par le tribunal pénal international pour le Rwanda, où j'ai fait effectivement 8 ans. Ce qui m'a permis de
permet d'avoir quelques armes pour pouvoir faire face à certaines difficultés qui se posaient au niveau du procès. Quels ont été les moments cruciaux, pour ne pas dire déterminants selon vous, dans ces procès? Disons que tous les moments depuis le départ ont été cruciaux parce que depuis l'interrogatoire de première comparution, c'est-à-dire l'interrogatoire d'identité, où M. Hissène Abré avait refusé de parler, et ça, c'était déjà un moment crucial et cela présageait la suite donc, du procès parce que tous les moments, à tous les instants, ont été cruciaux et il fallait chaque fois essayer de voir conformément à la loi quelle disposition fallait-il prendre au niveau de la Chambre pour pouvoir continuer le procès. Est-ce que vous ne vous êtes pas à des moments dit que le monde entier a les yeux braqués sur l'Afrique et vous vous posez la question si vous êtes en train de bien agir? Non, je crois que lorsqu'on a une certaine expérience, on sait comment mener son procès et on essaie à tout moment de se conformer à ce que dit la loi. Donc, que l'on soit en juridiction nationale, que l'on soit en juridiction africaine ou internationale, il suffit de se référer à la loi et je pense qu'on n'a pas besoin de prendre en compte qu'il s'agisse du plan national, du plan international. C'est le dossier qui guide en fait le magistrat. Monsieur Abré a lancé tout au long du procès des invectives. Est-ce que cela vous a personnellement affecté? Non, pas du tout. Je pense que c'est quelque part aussi, j'allais dire, leur droit. Et qu'ils essaient, en tout cas, par tous les moyens de mettre en œuvre. Et je pense que c'était tout à fait normal. C'est vrai que quelquefois, c'était à marge du droit. Mais bon, quelque part aussi, ils essaient de se faire valoir. Plusieurs personnes estiment que la condamnation à perpétuité a été sévère. Quel commentaire faites-vous par rapport à cela? La sévérité, vous savez, c'est une appréciation de tout à chacun. Elle est, je l'ai dit, relative. Vous voyez, pour la détermination de la peine, on ne le fait pas ex nihilo. On tient compte de certains paramètres. Et voyez-vous, comme je le disais tantôt, j'ai siégé au niveau du tribunal pénal international pour Rwanda, où même les ministres ont eu des perpétuités. Et tout récemment, vous avez vu que les gens ont été condamnés pour le génocide à perpétuité au niveau de la France. Donc comment voulez-vous imaginer qu'au regard des crimes graves qui sont reprochés, qu'on en fasse autrement? C'est cela. On tient compte des paramètres du dossier pour pouvoir déterminer les peines. On ne le prend pas de manière unilatérale, on le fait en fonction des éléments qui sont contenus dans le dossier et de la gravité des faits qui sont reprochés à l'accusé. Beaucoup de personnes demandaient à ce que d'autres personnes comparaissent. Pourquoi en aucun moment ces personnes au Tchad n'ont pas comparu? La Chambre est saisie. Ça signifie quoi? La Chambre ne va pas à la recherche des accusés. Les accusés sont cités et la Chambre se contente de juger les accusés qu'on lui présente. Et peut-être la question se serait posée depuis le départ au niveau du procureur pour que la question soit résolue. Mais nous, au niveau de la Chambre, on a des dispositions qui sont là, qui sont consacrées. Et c'est au regard de ces dispositions et au regard des personnes qui ont été renvoyées par la Chambre d'accusation devant cette Chambre, que nous sommes obligés de juger. On ne peut pas aller au-delà de ce que la Chambre d'accusation nous a donné comme accusé. Sur quelle base vous avez retenu les trois avocats commis d'office pour défendre M. Hissène Abré? Ah non, mais en fait, le profil, ce n'est pas nous qui avons défini en réalité. Nous collaborons avec le barreau. Et le barreau nous donne un certain nombre, effectivement, d'avocats. Et sur la base donc, de l'expérience de tous ces de ceux qui nous ont été désignés, que la Chambre essaie de voir par rapport donc, au dossier, quels sont ceux qui sont les plus aptes à pouvoir effectivement les défendre. Le candidat Hissène Abré n'a pas reconnu votre cour tout au long du procès.
Quelle est votre réaction par rapport à cela? Non, mais je crois que M. Abré, c'est tout à fait normal et c'est tout à fait logique. On s'attendait à de telles réactions. Mais nous, nous pensons que nous avons fait bonne œuvre. Après avoir condamné à perpétuité l'ex-président tchadien Hissène Habré, est-ce que vous arriviez à dormir tranquillement? Est-ce qui inflige la peine de mort? C'est cela aussi. Nous, comme je dis, la peine que nous avons infligée, c'est en considération des faits et nous pensons que nous avons agi conforme à la loi. Donc, il n'y a pas de raison à avoir quelques difficultés à dormir. Pensez-vous que ce procès a été une réussite et le continent dispose maintenant de son procès référence? Il ne m'appartient pas moi d'apprécier quelle a été ma conduite, mais je laisse plutôt le monde entier apprécier comment la Cour a fonctionné, les règles de la Cour et également les résultats auxquels cette chambre a abouti. Donc je pense que je ne vais pas avoir de l'autosatisfaction. Je laisse peut-être le monde apprécier. Personnellement, de votre côté, pensez-vous que le travail a été facile? Non, en fait, je crois qu'on n'a pas posé le problème en ces termes parce que nous avions une mission, nous avions des textes qu'il fallait appliquer et nous avons essayé d'appliquer ces textes sans autre difficulté particulière. C'est vrai que ce n'est pas, pour rendre une des commandes de la justice, ce n'est pas toujours facile, mais en faisant effectivement application des textes de loi et en plus étant assisté, nous pensons que la tâche a été comme les autres dossiers. Est-ce que ce procès a été une expérience de plus pour vous qui va vous permettre de postuler pour d'autres postes au niveau international? Absolument, c'est une expérience de plus parce que là, il s'agissait d'une juridiction hybride. Et les juridictions dans lesquelles j'ai eu à siéger, c'était des juridictions soit internationaux qui n'étaient pas du tout hybrides ou bien des juridictions nationales. Mais cette fois-ci, il s'agit d'une autre expérience et puis en plus dans un certain contexte. Et donc, c'est une autre expérience qui peut effectivement me permettre de convoler pour d'autres dossiers. Globalement, qu'est-ce que vous avez à dire sur la tenue de ce procès qui a tenu le monde entier et l'Afrique en haleine des mois durant? Ah, mais je dis que c'est une expérience d'abord personnelle et également une expérience africaine. Je pense qu'elle pourra dans l'avenir servir pour toutes les générations à venir et également pour le monde académique qui pourra critiquer et on pourra en tirer des leçons pour éventuellement améliorer soit la création de juridictions internationales ou au niveau même international. Les chambres africaines extraordinaires siégeaient dans les palais de la justice de Dakar. Est-ce que les juridictions sénégalaises vous ont facilité la tâche dans le déroulement de ce procès? Disons qu'en réalité, nous étions logés à la cour d'appel. Et les chambres d'assises sont logées au niveau de la cour d'appel. Mais en réalité, on n'avait pas de contact, il n'y avait pas un lien ombilical entre cette chambre et le fonctionnement ordinaire des chambres. Donc, en réalité, on n'avait pas besoin d'une action spéciale au niveau de ces juridictions nationales. C'est la fin de cet entretien. Nous étions avec M. Gustave Kam, président de la Chambre africaine extraordinaire d'assises, qui a jugé l'ex-président du Tchad, Hissène Habré. Merci. Au revoir.
revanche, c'est vrai que la différence entre, je dirais, la Russie, ce que j'ai découvert, c'est que, en fait, chaque artiste est, en général, pour, suivi par un pédagogue. Et suivi, ils sont très accompagnés, beaucoup plus que dans notre, en France, dans notre tradition, où c'est l'émergence à travers le corps de ballet qui fait que, d'un seul coup, le travail, on repère quelqu'un et ensuite, on lui donne la visibilité. C'est une écriture, c'est comme la calligraphie, et on peut sans cesse la travailler, l'affiner, la développer, la rendre plus majestueuse. Il y a toujours de ce côté-là des choses qu'on peut faire, donc on ne cesse jamais de pouvoir perfectionner quelque chose. Est au service de quelque chose qui est plus grand que lui-même. Et c'est ce qui fait la beauté de notre quête, quoi. C'est-à-dire qu'on est au service de quelque chose, c'est l'art, quoi. Donc en tant qu'humain, on essaie de tendre vers ça. C'est cet élan qui est magnifique. C'est ça qu'il faut travailler. Et tant que vous avez une dynamique, un élan et quelque chose, à ce moment-là, je pense que tout fonctionne. Fashion Weeks européennes, ces mannequins défilent dans le nord de la Syrie. Elles veulent mettre en avant les vêtements traditionnels kurdes, une mode totalement interdite et réprimée par le régime avant le début du conflit en 2011. Mais la culture kurde syrienne reprend peu à peu ses droits depuis que cette zone frontalière avec la Turquie s'est déclarée autonome. Avant la révolution, on ne pouvait même pas dire que nous étions kurdes. Mais aujourd'hui, nous parlons autre langue. Nous étudions dans nos écoles. Et comme vous le voyez, je porte des vêtements traditionnels kurdes. Je parle kurde dans nos rues, dans notre ville. Après le défilé, c'est dans la rue que ses habitants paradent. Impossible il y a quelques années. Mais avec la guerre, le régime syrien a retiré la plupart de ses forces militaires de cette région. Et les Kurdes, qui représentent environ 10% de la population, travaillent à faire revivre leur culture, autrefois souterraine. Comme Sami Moussa, qui travaille dans le quartier des tailleurs de la grande ville de Kamishli. Les prix varient. Par exemple, réaliser cette pièce de tissu coûte environ 15 euros. Mais celle-ci coûte 30 euros à fabriquer parce qu'elle est difficile à coudre, étant donné qu'elle est couverte de perles. Un habit traditionnel kurde cousu main peut coûter de 70 à 150 euros. Et aujourd'hui, les tailleurs de Kamishli doivent répondre à une demande grandissante, en particulier avec les célébrations de Nowruz le 21 mars. Mais le célèbre festival du printemps n'est plus la seule occasion de revêtir ses plus beaux atours. Les vêtements ne sont pas seulement pour Nowruz. Les jeunes filles portent des costumes traditionnels lors de tout le mariage. Il y a quelques jours, j'ai réalisé un costume kurde pour une jeune fiancée qui va le porter à son propre mariage. Aujourd'hui, ces tailleurs produisent parfois 10 fois plus de costumes qu'avant la guerre. Et Raïd assure même exporter ses créations jusqu'en Europe.
seule arme, sa voix. À 18 ans, Zoul a la chance pour se faire une place dans un monde d'hommes. Un véritable exploit, d'autant que la jeune femme est originaire de la province conservatrice de Nangarhar, bastion de l'État islamique et des talibans en Afghanistan. Au départ, quand j'ai participé à l'émission, j'avais peur. Mais après, quand j'ai vu le soutien du public, j'ai oublié ma peur et je me suis dit que je pouvais le faire. Parmi les membres du jury, Ariana Saïd, une star de la pop afghane. À travers ses chansons, elle défend les droits de ses concitoyennes régulièrement victimes de violences. Alors évidemment, elle ne cache pas son soutien à Zoulala. Le fait que Zoulala soit arrivée jusqu'en finale, ça montre que les gens commencent à s'ouvrir à l'idée que les femmes chantent. Ça veut dire qu'ils acceptent les chanteuses. Et c'est incroyable. Je suis vraiment heureuse. En 2005, 4 ans seulement après la chute du régime taliban, la chaîne de télévision Tolo TV fait le pari audacieux de lancer Afghan Star. Malgré les critiques des chefs religieux, l'émission se tient devant des centaines d'invités. Mais en 2016, Tolo perd 7 de ses employés dans un attentat des talibans. Depuis, l'émission est enregistrée sous protection armée avec un public limité. Chez Tolo TV, on essaye en permanence d'aider les gens à se développer, à faire entendre leur voix et aussi les divertir. Parce que nous sommes la seule source de... Je vous invite à regarder. Sika TV, c'est la chaîne qui vous montre le vrai visage de l'actualité. On avance comme Sika TV sur les autres, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Mettez ma fille. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Je vous invite à regarder. Sika TV, c'est la chaîne qui vous montre le vrai visage de l'actualité. On avance comme Sika TV sur les autres, le vrai visage de l'actualité. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Je vous invite à regarder. Sika TV, c'est la chaîne qui vous montre le vrai visage de l'actualité. On avance comme Sika TV sur les autres, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Netina Film. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Je vous invite à regarder. Sika TV, c'est la chaîne qui vous montre le vrai visage de l'actualité. On avance comme Sika TV sur les autres, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Netina Film. Sika TV. We'll be right back.
Silk TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Les fortes pluies et les inondations qui ont touché Lima ont causé en fin de semaine la mort d'au moins 72 personnes. Le phénomène météorologique El Niño a laissé la capitale péruvienne Lima au bord du chaos avec des milliers de sinistrés et la perspective d'une rupture d'approvisionnement en eau potable. Des milliers de riverains des quartiers industriels se sont réveillés avec de l'eau jusqu'à la ceinture, des torrents de boue dévalant les rues. Des centaines de personnes ont été évacuées par les services de pompiers et de la police, débordées par des situations d'urgence. La force de la crue de la rivière Rimac a emporté en outre une passerelle pour piétons qui réunit les quartiers d'El Agustino et San Juan, rajoutant au chaos dans ces quartiers populaires. Les pluies qui ont frappé le Pérou ces dernières semaines sont similaires à celles qu'avait connues le pays lors du dramatique El Niño de 1998, lors duquel 500 personnes avaient trouvé la mort. Le pire phénomène El Niño au Pérou avait été celui de l'hiver de 82 à 83, lors duquel 9000 personnes avaient péri, victimes notamment des épidémies, avec une chute de 11,6% du PIB du pays. 27 000 habitants, 20% de chômage, mais des rues propres et fleuries. Et Nimbobon, dans le Pas-de-Calais, c'est la ville conquête devenue vitrine du Front National dans une France en crise. Steve Briouat, protégé de Marine Le Pen, a été élu au premier tour en 2014 en promettant la rupture avec l'ancien maire PS, condamné à la prison pour corruption. Derrière le programme axé sur l'assainissement des finances publiques, l'opposition dénonce les méthodes du maire et de son équipe, des pratiques symptomatiques du Front National selon cet élu des Verts. Le fait que quelqu'un pense autre chose que sur leur ville, c'est pas possible. Qu'un journaliste produise un article qui est pas un article du journal municipal et qui dit juste que c'est vraiment fantastique, c'est pas possible. Et donc, moi, je ressens finalement une certaine fébrilité. Et en fait, je pense que même s'ils essayent d'être le genre idéal, d'être les maires à la vitrine nuage du Front National, en vrai, ils sont restés les mêmes et ils ne peuvent pas s'empêcher de temps en temps de mettre le petit coup d'intimidation. En 2014, ce sont 11 municipalités françaises qui deviennent frontistes, dont le nord-est et dans le sud, exception faite de Mont-la-Ville, seule localité F d'Île-de-France. Dès son investiture, le maire honore une promesse de campagne en stoppant net le projet de relocalisation de mosquée dans une ancienne trésorerie municipale. Le lieu de culte a finalement ouvert en mai 2016, mais une bataille juridique fait rage entre certains représentants de la communauté musulmane et le maire. En décembre dernier, Cyrano est déposé pour la troisième fois devant le tribunal administratif de Versailles. La cour estime que son action pour récupérer des locaux de la trésorerie relève du détournement de pouvoir, alors que le dossier de l'association est en règle. À présent, le maire refuse de donner l'autorisation pour rénover le bâtiment. La plupart des maires FN ont tenu ces mêmes positions sur les grands thèmes du parti s'opposant à l'ouverture des mosquées, coupant les subventions aux organisations portant assistance aux migrants. Mais ils sont aussi confrontés à un autre problème venu de l'intérieur. Les équipes municipales frontistes se vident de leurs élus. 400 ont fait défection sur les 1500 que comptait à l'origine le parti. Le cofondateur de l'éditeur de logiciels Microsoft, Bill Gates, est toujours l'homme le plus riche du monde. C'est ce qu'a révélé le classement publié ce lundi par le magazine américain Forbes, qui confirme l'ascension irrésistible des géants d'Internet. Pour la 4e année d'affilée et la 18e sur les 22 dernières années, Bill Gates arrive en tête du classement avec une fortune personnelle estimée à 86 milliards de dollars. Outre les jeunes fortunes d'Internet, le seul à avoir quelque peu bousculé la hiérarchie est le Français Bernard Arnault, président directeur général et fondateur du groupe de luxe LVMH, qui passe de la 14e à la 11e place. Son patrimoine a augmenté de 22% en un an à 41,5 milliards de dollars. Il devance maintenant sa compatriote Liliane Bettencourt, héritière de l'empire des cosmétiques L'Oréal, avec 39,5 milliards de dollars. L'investisseur américain Warren Buffett, le dauphin au classement, est aussi un ami très proche de Bill Gates. Il suit d'ailleurs ce dernier à bonne distance avec un patrimoine estimé à 75,6 milliards de dollars. Autre progression marquée, celle du président directeur général et fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, qui à 32 ans seulement est maintenant à la tête d'un patrimoine de 56 milliards de dollars, ce qui le situe en 5e position du classement.
Voyage officiel du président philippin en Birmanie. Une visite marquée par sa rencontre avec l'icône de la démocratie birmane, Aung San Suu Kyi. Au cours de son séjour, le président philippin Rodrigo Duterte, condamné par les Européens pour sa violente guerre contre la drogue, a fustigé le Parlement européen. Ce dernier ayant condamné la semaine passée le nombre élevé d'exécutions extrajudiciaires dans la guerre contre la drogue aux Philippines. Depuis son entrée en fonction fin juillet, plus de 2500 personnes ont été abattues lors d'opérations antidrogue, selon les forces de police. Un chiffre contesté et revu à la hausse par les organisations de défense des droits de l'homme, qui évoquent plutôt 5000 morts. Amnesty International et Human Rights Watch ont déjà évoqué la possibilité que des crimes contre l'humanité auraient été commis aux Philippines. Rodrigo Duterte a été élu président l'an dernier. Lors de sa campagne, il avait promis d'éradiquer le fléau de la drogue en faisant abattre des dizaines de milliers de personnes trafiquant et toxicomanes. Angela Merkel menace les responsables turcs d'interdiction de meetings électoraux. La chancelière allemande a en effet menacé lundi d'interdire les responsables turcs de prendre part à des réunions électorales pro-Erdogan en Allemagne. Une décision qui intervient après de nouvelles attaques à son encontre proférées par le président turc. Il y a quelques jours, le gouvernement fédéral a fait savoir très clairement à la Turquie que les apparitions de politiciens turcs en Allemagne ne peuvent avoir lieu que sur la base du respect des principes de notre Constitution. En d'autres termes, le gouvernement se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires, ce qui inclut un réexamen des autorisations accordées. Il faut dire que les rapports entre la Turquie et l'Allemagne traversent une crise aiguë depuis l'interdiction de plusieurs réunions électorales pro-Erdogan sur le territoire allemand. Berlin soupçonne Erdogan de vouloir, via ses provocations, se poser en victime pour mobiliser la communauté turque en vue du référendum du 16 avril prochain. Ledit référendum porte sur une réforme constitutionnelle censée renforcer ses pouvoirs alors que le régime est déjà accusé de dérives autoritaires. Trois candidats soigneusement sélectionnés par Pékin. Dimanche, un collège de près de 1200 grands électeurs va désigner le futur leader de Hong Kong. Et pour l'activiste Joshua Hong, cette élection n'en est tout simplement pas une. Il s'agit plus d'une sélection que d'une élection à Hong Kong. Il y a un processus d'écrémage pour écarter tous les candidats pro-démocratie. Il faut qu'on récupère nos droits dans cette élection. C'est le premier vote du genre depuis les manifestations de l'automne 2014 qui réclamaient des élections libres. L'échec du mouvement a poussé une partie des Hongkongais à appeler à la rupture avec la Chine, une idée rejetée par les trois candidats. Une campagne pour l'indépendance n'a pas sa place à Hong Kong, parce que nous suivons le principe d'un pays, deux systèmes, et Hong Kong fait partie intégrante du pays. Je pense que seulement une petite partie des Hongkongais ont cette idée, et je ne suis pas sûre pourquoi. Une fois que j'assume mon poste, je renforcerai la relation entre Hong Kong et la Chine. Ces prises de position valent à Carrie Lam le statut de favorite de Pékin. Face à l'ancien numéro 2 du gouvernement, celui qui était alors ministre des Finances, John Tsang, se veut plus consensuel et a d'ailleurs reçu des soutiens venus du camp pro-démocratie. L'objectif principal des candidats, c'est d'unir la société. Parmi les trois candidats, je pense être le seul à pouvoir unir la société hongkongaise. Mais peu importe l'issue du vote, le système prévoit que le vainqueur soit approuvé par Pékin. On a beaucoup parlé de Hong Kong sur la scène internationale, et pour Pékin, c'était pour les mauvaises raisons. Ils veulent que Hong Kong soit bien gouverné, et ils veulent quelqu'un avec qui ils peuvent travailler. Le camp pro-démocratie qualifie l'élection de farce. Il a d'ores et déjà prévu de manifester avant, pendant et après le vote. Au lendemain de l'attaque survenue devant le Parlement britannique à Londres, la police a procédé ce jeudi à 7 arrestations liées à cet attentat dont le bilan a été revu à la baisse et dans lequel la piste islamiste est privilégiée.
Des centaines d'enquêteurs ont travaillé toute la nuit et pendant ce temps, je peux vous dire que nous avons repéré 6 adresses et procédé à cette arrestation. Les investigations se poursuivent à Birmingham, à Londres et dans d'autres lieux dans le pays. London and other parts of the country are continuing. Malgré cet attentat meurtrier, la première ministre britannique Theresa May a indiqué ce mercredi soir que le niveau d'alerte terroriste au Royaume-Uni restait inchangé. The full details of exactly what happened. Les détails complets de ce qui s'est passé exactement ne sont pas encore connus. Mais à en croire les dernières informations que j'ai obtenues de la part de la police et des officiers de sécurité, je peux confirmer que cet épouvantable incident a commencé quand un seul assaillant a lancé son véhicule sur des piétons qui marchaient sur le pont de Westminster. His vehicle into pedestrians walking across Westminster Bridge. This attacker, who was armed with a knife. Cet assaillant qui était armé d'un couteau a ensuite couru vers le Parlement, où il s'est retrouvé face aux officiers de police qui nous protègent, nous et nos institutions démocratiques. Malheureusement, un policier fut tué. Officer was killed. The United Kingdom's threat. Le niveau d'alerte terroriste au Royaume-Uni a été fixé à sévère et cela ne changera pas. And this will not change. L'attaque de ce mercredi est survenue le jour même où la Belgique commémorait les attentats qui ont fait 32 morts à Bruxelles il y a un an. Ce jeudi matin, il n'avait pas toujours été revendiqué. Le président colombien Juan Manuel Santos a annoncé jeudi le retrait des militaires vénézuéliens qui ont fait cette semaine une incursion dans son pays après avoir protesté contre cette action totalement inacceptable auprès de son homologue vénézuélien Nicolas Maduro. L'affaire a été déclenchée par l'installation mardi d'un campement militaire vénézuélien dans le département colombien d'Arauca, proche de la frontière. Maduro m'a assuré avoir ordonné le retrait des troupes du territoire colombien et nous avons décidé de maintenir le dialogue et les voies diplomatiques jusqu'à ce que la situation revienne à la normale, avait également fait savoir Juan Manuel Santos. Le ministre des Affaires étrangères des deux pays s'était déjà parlé à ce sujet mercredi pour tenter de clarifier la situation. La Colombie et le Venezuela partagent une frontière poreuse de 2200 km. En 2015 et 2016, la tension est montée après la décision du président Maduro de fermer cette frontière pour lutter contre la contrebande et le trafic de drogue. Soupçonné d'un délit financier durant son mandat, l'ex-présidente argentine Cristina Kirchner sera jugée selon la décision du juge publiée par le Centre d'information judiciaire. Elle est accusée de préjudice à l'État lors d'une opération de spéculation sur les taux de change réalisés par la Banque centrale en 2015, la dernière de ses 8 années de mandat. Seront également sur le banc des accusés Axel Kicillof, ministre de l'économie de Cristina Kirchner au moment des faits et l'ex-président de la Banque centrale d'Argentine. Cristina Kirchner a également été inculpée dans 2 autres affaires de corruption, mais elle accuse de persécution politique le gouvernement qui se défend d'exercer une influence sur la justice. Pour le moment, la date de son procès n'a pas été communiquée. En octobre prochain, des élections législatives de mi-mandat auront lieu et une des incertitudes de la campagne porte sur un éventuel retour au premier plan de Cristina Kirchner qui vit en Patagonie en retrait de la vie politique depuis qu'elle a quitté le pouvoir en 2015. Les fortes pluies et les inondations qui ont touché Lima ont causé en fin de semaine la mort d'au moins 112 personnes. Le phénomène météorologique El Niño a laissé la capitale péruvienne Lima au bord du chaos avec des milliers de sinistrés et la perspective d'une rupture d'approvisionnement en eau potable. Des milliers de riverains des quartiers industriels se sont réveillés avec de l'eau jusqu'à la ceinture, des torrents de boue dévalant les rues. Des centaines de personnes ont été évacuées par les services de pompiers et de la police débordée par des situations d'urgence. La fosse de la crue de la rivière Rimac a emporté en outre une passerelle pour piétons qui unit les quartiers d'El Agustino et San Juan
rajoutant au chaos dans ces quartiers populaires. Les pluies qui ont frappé le Pérou ces dernières semaines sont similaires à celles qu'avait connues le pays lors du dramatique El Nino de 1998, lors duquel 500 personnes avaient trouvé la mort. Le pire phénomène El Nino au Pérou avait été celui de l'hiver de 82 à 83, lors duquel 9000 personnes avaient péri, victimes notamment des épidémies, avec une chute de 11,6% du PIB du pays. 27 000 habitants, 20% de chômage, mais des rues propres et fleuries. Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais, c'est la ville conquête, devenue vitrine du Front National dans une France en crise. Steve Briouat, protégé de Marine Le Pen, a été élu au premier tour en 2014 en promettant la rupture avec l'ancien maire PS, condamné à la prison pour corruption. Mais derrière le programme axé sur l'assainissement des finances publiques, l'opposition dénonce les méthodes du maire et de son équipe. Des pratiques symptomatiques du Front National selon cet élu des Verts. Le fait que quelqu'un pense autre chose que sur leur ville, c'est pas possible. Qu'un journaliste produise un article qui n'est pas un article du journal municipal et qui dit juste que si Briouat est fantastique, c'est pas possible. Et donc, moi, je ressens finalement une certaine fébrilité. Et en fait, je pense que même s'ils essayent d'être le gendre idéal, d'être les maires à la vitrine, New Age du Front National, en vrai, ils sont restés les mêmes et ils ne peuvent pas s'empêcher de temps en temps de mettre le petit coup d'intimidation. En 2014, ce sont 11 municipalités françaises qui deviennent frontistes, dans le nord-est et dans le sud, exception faite de Mantes-la-Ville, seule localité FN en Ile-de-France. Dès son investiture, le maire honore une promesse de campagne en stoppant net le projet de relocalisation d'une mosquée dans une ancienne trésorerie municipale. Le lieu de culte a finalement ouvert en mai 2016, mais une bataille juridique fait rage entre certains représentants de la communauté musulmane et le maire. En décembre dernier, Cyril Naut est débouté pour la troisième fois devant le tribunal administratif de Versailles. La Cour estime que son action pour récupérer des locaux de la trésorerie relève du détournement de pouvoir, alors que le dossier de l'association est en règle. À présent, le maire refuse de donner l'autorisation pour rénover le bâtiment. La plupart des maires FN ont tenu ces mêmes positions sur les grands thèmes du parti, s'opposant à l'ouverture des mosquées ou coupant les subventions aux organisations portant assistance aux migrants. Mais ils sont aussi confrontés à un autre problème venu de l'intérieur. Les équipes municipales frontistes se vident de leurs élus. 400 ont fait défection sur les 1500 que comptait à l'origine le parti. Le cofondateur de l'éditeur de logiciels Microsoft, Bill Gates, est toujours l'homme le plus riche du monde. C'est ce qu'a révélé le classement publié ce lundi par le magazine américain Forbes, qui confirme l'ascension irrésistible des géants d'Internet. Pour la 4e année d'affilée et la 18e sur les 22 dernières années, Bill Gates arrive en tête du classement avec une fortune personnelle estimée à 86 milliards de dollars. Outre les jeunes fortunes d'Internet, le seul à avoir quelque peu bousculé la hiérarchie est le Français Bernard Arnault, président directeur général et fondateur du groupe de luxe LVMH, qui passe de la 14e à la 11e place. Son patrimoine a augmenté de 22% en un an à 41,5 milliards de dollars. Il devance maintenant sa compatriote Liliane Bettencourt, héritière de l'empire des cosmétiques L'Oréal, avec 39,5 milliards de dollars. L'investisseur américain Warren Buffett, le dauphin au classement, est aussi un ami très proche de Bill Gates. Il suit d'ailleurs ce dernier à bonne distance avec un patrimoine estimé à 75,6 milliards de dollars. Autre progression marquée, celle du président directeur général et fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, qui à 32 ans seulement est maintenant à la tête d'un patrimoine de 56 milliards de dollars, ce qui le situe en 5e position du classement. Voyage officiel du président philippin en Birmanie. Une visite marquée par sa rencontre avec l'icône de la démocratie birmane, Aung San Suu Kyi. Au cours de son séjour, le président philippin Rodrigo Duterte, condamné par les Européens pour sa violente guerre contre la drogue, a fustigé le Parlement européen. Ce dernier, ayant condamné la semaine passée le nombre élevé d'exécutions extrajudiciaires dans la guerre contre la drogue aux Philippines. Depuis son entrée en fonction fin juillet, plus de 2500 personnes ont été abattues lors d'opérations antidrogues, selon les forces de police. Un chiffre contesté est revu à la hausse par les organisations de défense des droits de l'homme, qui évoquent plutôt 5000 morts.
Amnesty International et Human Rights Watch ont déjà évoqué la possibilité que des crimes contre l'humanité auraient été commis aux Philippines. Rodrigo Duterte a été élu président l'an dernier. Lors de sa campagne, il avait promis d'éradiquer le fléau de la drogue en faisant abattre des dizaines de milliers de personnes trafiquants et toxicomanes. Angela Merkel menace les responsables turcs d'interdiction de meetings électoraux. La chancelière allemande a en effet menacé lundi d'interdire les responsables turcs de prendre part à des réunions électorales pro-Erdogan en Allemagne. Une décision qui intervient après de nouvelles attaques à son encontre proférées par le président turc. Il y a quelques jours, le gouvernement fédéral a fait savoir très clairement à la Turquie que les apparitions de politiciens turcs en Allemagne ne peuvent avoir lieu que sur la base du respect des principes de notre Constitution. En d'autres termes, le gouvernement se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires, ce qui inclut un réexamen des autorisations accordées. Il faut dire que les rapports entre la Turquie et l'Allemagne traversent une crise aiguë depuis l'interdiction de plusieurs réunions électorales pro-Erdogan sur le territoire allemand. Berlin soupçonne Erdogan de vouloir, via ses provocations, se poser en victime pour mobiliser la communauté turque en vue du référendum du 16 avril prochain. Le dit référendum porte sur une réforme constitutionnelle censée renforcer ses pouvoirs alors que le régime est déjà accusé de dérives autoritaires. Trois candidats soigneusement sélectionnés par Pékin. Dimanche, un collège de près de 1200 grands électeurs va désigner le futur leader de Hong Kong. Et pour l'activiste Joshua Hong, cette élection n'en est tout simplement pas une. Il s'agit plus d'une sélection que d'une élection à Hong Kong. Il y a un processus d'écrémage pour écarter tous les candidats pro-démocratie. Il faut qu'on récupère nos droits dans cette élection. C'est le premier vote du genre depuis les manifestations de l'automne 2014 qui réclamaient des élections libres. L'échec du mouvement a poussé une partie des Hongkongais à appeler à la rupture avec la Chine. Une idée rejetée par les trois candidats. Une campagne pour l'indépendance n'a pas sa place à Hong Kong, parce que nous suivons le principe d'un pays, deux systèmes, et Hong Kong fait partie intégrante du pays. Je pense que seulement une petite partie des Hongkongais ont cette idée, et je ne suis pas sûre pourquoi. Une fois que j'assume mon poste, je renforcerai la relation entre Hong Kong et la Chine. Ces prises de position valent à Carrie Lam le statut de favorite de Pékin. Face à l'ancien numéro 2 du gouvernement, celui qui était alors ministre des Finances, John Tsang, se veut plus consensuel et a d'ailleurs reçu des soutiens venus du camp pro-démocratie. L'objectif principal des candidats, c'est d'unir la société. Parmi les trois candidats, je pense être le seul à pouvoir unir la société hongkongaise. Mais peu importe l'issue du vote, le système prévoit que le vainqueur soit approuvé par Pékin. On a beaucoup parlé de Hong Kong sur la scène internationale, et pour Pékin, c'était pour les mauvaises raisons. Ils veulent que Hong Kong soit bien gouverné, et ils veulent quelqu'un avec qui ils peuvent travailler. Le camp pro-démocratie qualifie l'élection de farce. Il a d'ores et déjà prévu de manifester avant, pendant et après le vote. Au lendemain de l'attaque survenue devant le Parlement britannique à Londres, la police a procédé ce jeudi à 7 arrestations liées à cet attentat dont le bilan a été revu à la baisse et dans lequel la piste islamiste est privilégiée. Hundreds of detectives have been working through the night. Des centaines d'enquêteurs ont travaillé toute la nuit et pendant ce temps, je peux vous dire que nous avons repéré 6 adresses et procédé à cette arrestation. Les investigations se poursuivent à Birmingham, à Londres et dans d'autres lieux dans le pays. Malgré cet attentat meurtrier, la première ministre britannique Theresa May a indiqué ce mercredi soir que le niveau d'alerte terroriste au Royaume-Uni restait inchangé. Les détails complets de ce qui s'est passé exactement ne sont pas encore connus. Mais à en croire les dernières informations que j'ai obtenues de la part de la police et des officiers de sécurité, je peux confirmer que cet épouvantable incident a commencé
quand un seul assaillant a lancé son véhicule sur des piétons qui marchaient sur le pont de Westminster. His vehicle into pedestrians walking across Westminster Bridge. This attacker, who was armed with a knife. Cet assaillant qui était armé d'un couteau a ensuite couru vers le Parlement, où il s'est retrouvé face aux officiers de police qui nous protègent, nous et nos institutions démocratiques. Malheureusement, un policier fut tué. Officer was killed. The United Kingdom's threat. Le niveau d'alerte terroriste au Royaume-Uni a été fixé à sévère et cela ne changera pas. And this will not change. L'attaque de ce mercredi est survenue le jour même où la Belgique commémorait les attentats qui ont fait 32 morts à Bruxelles il y a un an. Ce jeudi matin, il n'avait pas toujours été revendiqué. Le président colombien Juan Manuel Santos a annoncé jeudi le retrait des militaires vénézuéliens qui ont fait cette semaine une incursion dans son pays après avoir protesté contre cette action totalement inacceptable auprès de son homologue vénézuélien Nicolas Maduro. L'affaire a été déclenchée par l'installation mardi d'un campement militaire vénézuélien dans le département colombien d'Arauca, proche de la frontière. Maduro m'a assuré avoir ordonné le retrait des troupes du territoire colombien et nous avons décidé de maintenir le dialogue et les voies diplomatiques jusqu'à ce que la situation revienne à la normale, avait également fait savoir Juan Manuel Santos. Le ministre des Affaires étrangères des deux pays s'était déjà parlé à ce sujet mercredi pour tenter de clarifier la situation. La Colombie et le Venezuela partagent une frontière poreuse de 2200 km. En 2015 et 2016, la tension était montée après la décision du président Maduro de fermer cette frontière pour lutter contre la contrebande et le trafic de drogue. Soupçonné d'un délit financier durant son mandat, l'ex-présidente argentine Cristina Kirchner sera jugée selon la décision du juge publiée par le Centre d'information judiciaire. Elle est accusée de préjudice à l'État lors d'une opération de spéculation sur les taux de change réalisée par la Banque centrale en 2015, la dernière de ses 8 années de mandat. Seront également sur le banc des accusés Axel Kicillof, ministre de l'économie de Cristina Kirchner au moment des faits, et l'ex-président de la Banque centrale d'Argentine. Cristina Kirchner a également été inculpée dans 2 autres affaires de corruption, mais elle accuse de persécution politique le gouvernement qui se défend d'exercer une influence sur la justice. Pour le moment, la date de son procès n'a pas été communiquée. En octobre prochain, des élections législatives de mi-mandat auront lieu et une des incertitudes de la campagne porte sur un éventuel retour au premier plan de Cristina Kirchner qui vit en Patagonie en retrait de la vie politique depuis qu'elle a quitté le pouvoir en 2015. Les fortes pluies et les inondations qui ont touché Lima ont causé en fin de semaine. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'émission Angle de vue, votre sujet de décryptage donc des faits de l'actualité sur le continent africain. L'édition de ce jour est consacrée à l'introduction des produits génétiquement modifiés sur le continent. L'Afrique court le danger donc de devenir le dépotoir de l'industrie controversée des organismes génétiques. Je vous invite à regarder. Sika TV, c'est la chaîne qui vous montre le vrai visage de l'actualité. On avance comme Sika TV sur les autres. Le vrai visage de l'actualité en Afrique. Net in a film. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique.
d'un an et demi après la signature des accords de paix d'Alger, le pays s'apprête à accueillir la conférence d'entente nationale. Une grande réunion qui doit réunir toutes les composantes de la nation pour faire le point du chemin parcouru. La paix, l'unité et la réconciliation, voilà les trois as de discussion de la dite conférence qui doit aboutir à la création d'une charte. Pas de sujet interdit, affirme-t-on du côté du gouvernement, mais pas de dispersion non plus. Il y aura des thèmes à l'ordre du jour. La rencontre est prévue pour se tenir du 27 mars au 2 avril. Une prévision qui pourrait échouer. Principal grief commun aux politiques et aux groupes armés, l'exclusivité de ce rendez-vous qui, selon eux, ne donnerait pas la parole à tout le monde. Il y a 10 jours, l'opposition dans son ensemble a envoyé un courrier au conseiller spécial du président au sujet du dit dossier, en soulevant plusieurs points et proposant des améliorations au thème de référence. Bonjour à tous. Celui que je reçois aujourd'hui est un jeune rappeur béninois qui utilise sa langue fongbé pour s'imposer sur la scène musicale internationale. Voici enfin le vrai visage des informations d'un continent africain qui bouge. L'Afrique, continent de l'avenir. Les grands investisseurs vous diront. En Afrique du Sud, la société